Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la TV Gaming Live. Aujourd'hui, on a des invités de marque. Je vous demande d'accueillir donc NBK ici présent. Bonsoir. Alors, j'ai petit problème technique. Voilà, donc NBK ici présent. Et Next. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, bah, présentez-vous. Je pense que tout le monde vous Non, connaît, c'est bon. mais voilà. Bon, alors voilà, bon, NBK, joueur. D'NVS, de deux majors, l'un des rares joueurs et deux majors, et Next, le manager d'NVS, qui a permis notamment à cette équipe de remporter un major. Donc, déjà, j'aimerais qu'on parle quelque chose d'assez sérieux sur la scène française. NBK, qu'est-ce que c'est que ces cheveux? C'est déjà une bonne question. Des beaux C'est un cheveux. pari de base à l'équipe pré-finale que si on gagnait, on se faisait les cheveux bleus. Et vu qu'on a eu un peu de chance, bah, on a réussi à gagner. Et donc Donc tout le on monde finit va avec les cheveux faire bleus. ça. Alors tout le monde sauf Vincent, parce que Vincent évidemment a de très petites balls. Mais à part ça, ouais, tout le monde est dans le pari. Vincent Sapi, hein, je précise. Je précise aussi Pardon, d'ailleurs que pardon. normalement, si tout se passe bien, les viewers voient la photo de la transformation Oui, je la en vois direct moi-même, live. et si ça peut s'enlever assez vite, ça serait cool. Non, vraiment, le résultat, ça ira bien normalement quand on sera tous en LAN, aux IUM, tous en bleu. Là, ça sera marrant. Là, j'y vais un Là, peu ça aurait dû con. citer. Voilà. Voilà, bon, bah, t'as été le premier, t'as été le plus ballsy. Voilà, je vois. Du coup, je propose de commencer, on va un peu présenter le plan. Alors, on va faire, c'est que c'est un peu vite fait de retracer le parcours d'Envious, de la nouvelle line-up jusqu'à il y a quelques jours quand ils ont gagné le dernier major qui était Cluj. Après, on fera une petite interaction, c'est-à-dire que je vous invite d'ores et déjà à rejoindre notre Mumble. Vous avez le lien qui s'affiche, qui est normalement sur l'écran, ou téléchargez vite fait Mumble, et on aura une vingtaine de minutes où vous pourrez interagir avec NBK et Next pour leur poser des questions, pour savoir que pour poser en fait toutes les questions qui vous intéressent. Et on finira par un bilan à peu près de Cluj, les équipes qui nous ont plu, les équipes qui nous ont déçus. Je pense que ça peut être sympa. Alors, bon, alors, tout premièrement, moi je vous propose de partir donc tout début, nouvelle line-up, on est à l'ESWC, un petit tweet de Astro comme quoi il y aura des à venir. Là, bon, stupeur ou pas, changement. Le NVS change, Shox et Smith qui quittent la line-up pour partir chez Titan, on a l'arrivée d'Apex et Kenyes. C'est la première étape. La seconde, quelques mois plus tard, première LAN de la nouvelle équipe NVS, c'est les Gamescom à Cologne, c'est du 5 au 9 août, 5 au 9 août dernier, et là, victoire des NVS, vous perdez qu'une map, c'est contre Mouse, et Yes. vous gagnez contre tout le monde. Est-ce que je peux nous raconter vite fait, c'est pas sterniser cet event? Alors, on est venu aux IEM avec 2 semaines d'entraînement. Alors, en gros, pour vraiment reprendre du début, il y a eu le changement dans KWSC, enfin, où on savait ce qui allait se passer. Pendant 1 semaine après, aucune des deux équipes à Prague. Après cette semaine, nous on s'est mis directement à taffer pendant 2 semaines parce qu'on avait les IEM et qu'on voulait faire une LAN de préparation avant le Major. Voilà, donc nous on voulait se mettre en condition un maximum pour l'event. Et aux IEM, en gros, on est venu avec une mentalité un peu rien à perdre quoi. On est là sans gros taf. Le style de jeu d'Happy, on sait qu'il marche vite, qu'il marche très vite. Et au final, ouais, on arrive à la LAN avec tout approuvé, sans pression, enfin, vraiment rien de, enfin, vraiment cool quoi. Si on perd, on perd. Si on gagne, c'est cool. Et en plus, il y a un format un petit peu fun, quoi, avec des En plus, histoires c'est un de format vie, fun. etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça? Le format, moi perso, j'ai bien aimé. Je trouve que ça change. Je le ferai évidemment pas en major parce que ça reste quand même un format un peu funky et très peu exploité. Mais après, le format, je trouve que c'était une bonne idée. Ça change, c'est cool. Et vous savez déjà si ça sera à Sainte-Rosée prochainement ou... Aucune idée. Non, Sainte-Rosée, je crois que c'est que du BO3. Non, Donc, c'est que du beau travail. je pense pas que ça va arriver. Mais ouais, pour revenir à la LAN, au final, bon, on fait un event quasiment parfait, quoi, à part une map contre un mouse. Mais ouais, on arrive à sortir un style de jeu qui marche, je pense, aussi simplement que ça. Avec beaucoup de teamplay, très peu d'erreurs, et tout s'est bien passé. Enfin, surprise qu'on fasse aussi bien, mais.
Ah oui, donc vous n'étiez pas quand même à règle de tout le monde dès le premier tour sans quasiment perdre de match. Alors on savait que c'était possible parce que voilà, on connaît le niveau de notre équipe, on avait vu quelques résultats en Prague et comment ça se passait. Et les résultats étaient bons, maintenant de là transmettre ça, gagner une LAN en perdant une seule map contre la troisième meilleure équipe du tournoi, ça reste une surprise quoi. D'accord, alors ma prochaine question est un peu plus orientée vers Next. Comment s'est passé l'entrée de Apex Kenyas dans la team? D'un point de vue relationnel, c'est assez bien passé. On les connaissait déjà tous, enfin tous les deux. Quoi. Tout le monde se connaissait, on va dire que tout s'est fait plutôt naturellement. Tout le monde a pris sa place assez vite et assez bien, même très bien. Après, d'un point de vue structurel et entre guillemets avec Titan, etc., ça a été un peu plus compliqué. On va dire que plus ou moins, et Titan et Envy ne voulaient pas trop bouger de leur position. Quoi. Voilà. Mais ça a été des. Ça a duré une bonne semaine en plus. Des longs jours avec tout ce qu'ils disaient et son contraire. Ça a été, on va dire, une partie à gérer un peu plus compliquée. Après. On a trouvé des solutions au final qui ont mis plus ou moins tout le monde d'accord et chacun a fait un peu des concessions de son côté. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas bloquer non plus trop longtemps les choses. On n'avait pas forcément beaucoup de temps non plus, quoi. En tout cas, au niveau des joueurs eux-mêmes, ça s'est quand même bien passé. En dépit de l'administratif. Ça s'est même très bien passé. Moi, je me rappelle pas d'un mauvais passage dès le début, quoi, en tout cas. Du coup, ça nous amène au premier Major, donc cette ESL en Cologne qui se déroule 2 semaines après les UEM, donc à peu près 1 mois après la création de l'équipe. Quel était l'état d'esprit? Est-ce que vous visiez la victoire ou pas? Alors, pour une autre, on va repartir encore une fois de la création de. Non, mais vite. Pour moi, j'avais pour objectif, en prenant Dan et Kenny, de faire une finale et avec un bon match-up gagner. Donc, la victoire, ouais, c'était possible. On y pensait, mais on voulait se mettre encore une fois en tant qu'outsider et arriver en donnant tout, quoi. Donc, c'était match après match et si en tout cas, c'est cool encore une fois. Et si on gagne pas, on n'avait qu'un mois d'équipe. Bon, en tout cas, ça s'est largement bien passé. Vous êtes arrivé en finale, vous perdez 2-0 contre Fnatic. En tout cas, je pense qu'à partir de ce moment-là, on essaie de se focaliser sur Clutch et la suite. Après, vous perdez, c'est surtout il y a des deux où ça craque un peu. Vous faites une Titan, on peut dire. J'avais plus à dire une TSM qui a plus montré des exemples de choke, mais. La finale on la perd sur D2. On la choke quoi. On est bien, on perd le 3-1 contre Crims et de là on n'arrive pas à se remettre bien dedans et Kubble n'est que la suite logique de D2. Si on gagne D2, ça part en 3ème map et Inferno pour moi c'était très ouvert parce qu'on montrait un très bon niveau dessus et Fnatic aussi. Je pense qu'on aurait pu se la mettre dans la poche si on allait sur Inferno, c'était une possibilité en tout cas. Mais on était satisfait quand même de notre finale. Notre tournoi. Déçu de la première map de la finale et voilà. Un seul petit regret sur tout l'event. Et ensuite on s'est dit bon, allez, c'est pas grave, maintenant on a d'autres events qui arrivent. Go travailler et go faire les choses bien. Et du coup là donc vous avez commencé à travailler. C'est aussi à ce moment-là donc qu'est arrivée la Gaming House. Normalement, les photos vont passer à l'écran. C'est une question vraiment pour vous deux. Comment ça s'est passé? Qui c'est qui habite tout le temps? Est-ce que vous allez régulièrement, etc. Pourquoi Nice? Gaming House. Pourquoi Nice? Je vais commencer par répondre. Au début, au tout début de l'équipe, quand on cherchait la Gaming House, on n'avait pas forcément de lieu précis. On cherchait un endroit, on va dire, plus autour de Paris. Et par rapport justement plus à la fibre, quoi. Finalement, on s'est rendu compte que Nice, c'était pas mal, il y avait la fibre, sachant que moi je suis dans le sud, donc je suis pas très loin, c'était facile pour aller me visiter, il y avait tout ça qui était plus ou moins plus facile à gérer, et l'aéroport de Nice est assez bien desservi. Sauf que, on a mis 7 mois, 8 mois à trouver la villa,
par souci de, en fait, c'était soit c'était la maison, enfin la maison correspondait, etc. Il y avait la fibre et tout, mais les propriétaires étaient frileux de louer à une société américaine, etc. Et enfin, c'était toute une démarche compliquée à faire. Il fallait fournir des millions de papiers, des cautions bancaires sur un an ou payer un an de loyer directement. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire, un peu, enfin qui nous refroidissaient un petit peu aussi avec avec Mike. Et après au final, on a trouvé cette villa en se disant c'est génial. Moi, je regarde tout, elle est dans la zone fibre, tout va bien. Et arrive ce qui arrive à la fin. Quand j'ai le Orange pour avoir la fibre, ils me disent mais vous n'êtes pas éligible. Ah. C'est en cours de déploiement. D'accord. Donc vous n'avez pas de date. Et là, ils m'ont dit une fourchette, au minimum un mois, au maximum pour mars. Ok, ah, donc c'est une fourche, quoi, plutôt qu'une fourchette. C'est un râteau, là. C'est même plus. Voilà, c'est beaucoup trop grand, quoi. Donc voilà. Enfin, là, j'ai eu encore des autres informations aujourd'hui que Orange ne m'avait pas fournies. Donc, si vous voulez, au début, c'était la maison idéale. Et ça se transforme vite en une maison très bien, on va dire, pour bootcamp réellement. Parce que la piscine, une grande maison, on ne se marche pas dessus. Enfin, c'est reposant, etc. Donc pour les joueurs, je pense que l'environnement est plutôt pas mal. Chacun peut avoir sa petite part d'intimité en plus. Mais par contre, voilà, au niveau technique, malheureusement, on s'est fait un petit peu avoir, quoi. Donc là, depuis qu'on a la Gaming House et depuis que j'ai appris ça, moi, je suis en train d'essayer de trouver la solution la plus rentable. Il y a des personnes, de la communauté qui m'ont donné 2-3 coups de main aussi. Donc c'est assez sympa, mais voilà, en gros, ça prend une tournure qui n'était pas forcément vue à la base, quoi. Et donc là, comment ça se passe au niveau de l'organisation? Donc NBK, toi, tu as connu ça avec Titan, mais à l'extrême, vous viviez dedans 3 semaines par mois, je crois. Yes. Comment ça s'organise là? Parce que du coup, tu as connu les mauvais côtés de ce système. Clairement, enfin, il y a... pas y penser deux fois, fallait absolument pas refaire comme avec Titan parce que c'était pas la bonne solution. Clairement, ça c'était pas le bon truc pour faire marcher une gaming house. Donc, en gros, on va l'utiliser maintenant plus côté bootcamp quand on en a besoin. Y venir si on veut prendre une semaine un peu plus relax et jouer de la maison tout en ayant des semi-vacances. Et pour ce qui est sponsor, si les sponsors veulent faire des choses. Genre des interviews, des événements spéciaux, etc. Donc on va évidemment pas retomber dans l'extrême qu'on avait avec Titan qui nous avait détruit. Et voilà, on a tiré des leçons et puis maintenant on va essayer de l'utiliser au mieux et de faire les choses bien avec. Et okay, du coup, il y a des gens qui vivent constamment la gaming live ou vous venez tous juste pour des périodes de camp? La gaming house et non pas la gaming live. La gaming live. La gaming house, pardon. Alors, Next est là-bas 90% du temps, je pense. Ouais, va voir 100%. Une grosse partie du temps aussi là-bas. Et après, vu le nombre d'événements, en fait, on va essayer d'y aller assez souvent, plus ou moins. Mais les deux attitrés à la maison sont Next et Kenny. Ouais, donc là, du coup, il n'y a pas la fibre. Et donc, pour préparer ce major, vous avez été chez Nice ce matin. Donc, comment déjà vous arrivez à rentrer en contact avec eux? Comment ça se passe? Vous avez d'autres solutions, par exemple? J'avais d'autres solutions. J'avais trouvé d'autres solutions plus ou moins bonnes, on va dire. Mais en fait, le contact se fait plus ou moins naturellement et facilement parce que, d'une, j'ai été en alternance pendant 2 ans chez eux. Donc forcément, et deuxième truc, on va dire, on pourra dire ce qu'on veut, mais on utilise ses contacts et j'ai la chance d'avoir mes parents qui travaillent là-bas. Donc forcément, au niveau contact, c'était plus ou moins facile. Après, c'était pas non plus tout cuit, il a fallu que je vende un petit peu l'équipe au PDG parce que, enfin, il fallait qu'il comprenne l'utilité et qu'est-ce que lui il gagnait dans l'histoire. Donc au final, ça s'est fait. Le contact a été plus ou moins facile. C'est surtout que, en tout cas, ils ont été, pour ma part, j'ai trouvé assez réactif, et assez sympa de nous mettre, voilà, une salle à disposition et une connexion plus que bonne, quoi. Et du coup, vous avez après, bootcamp là-bas pendant combien de temps?
Pendant une semaine, 6 jours exactement. Alors, ça change du programme prévu de base ou ça, de ça bootcamp 6 jours quoi. Bah non, on avait prévu dans tous les cas de faire 7 jours de bootcamp. On attend que tu m'arrêtes si je me trompe. Hein, mais on va dire que ouais, on avait prévu de faire 7 jours puisque on voulait pas faire un bootcamp trop long. Par souci aussi de, enfin de, bah justement de manque de connexion à la FIA et donc de match officiel sur internet à pas pouvoir jouer, ça aurait été compliqué, sachant que bah ouais, ce matin nous laissait que plus ou moins les locaux pendant une semaine quoi. On a essayé de réduire un peu les dégâts quand même que ça aurait pu causer autour. Alors justement, peut-être une fois à Cluj, il y a Kyo et Vincent Happy là qui me disaient que vous aviez eu quand même quelques petits soucis pendant ce bootcamp, et notamment le gros point positif, c'était plutôt le débrief en fin de bootcamp. Mmh. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Les infos d'insider. Bah, je vois pas du tout. Moi, j'ai passé un bon bootcamp, et toi, Nathan? Bah, franchement, c'était la merde. Ouais, on a passé un bootcamp très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais... on avait des problèmes de rigueur au bootcamp, niveau de l'entraînement, niveau de... Ouais, enfin, les pracs qu'on faisait n'étaient pas ultra utiles, on n'arrivait pas à travailler de la bonne manière, on n'arrivait pas à bien mettre les pièces ensemble, quoi. Et au final, le ouais, bootcamp très peu productif. En plus, on fait des résultats assez moyens sur tous nos matchs officiels, donc assez déçu de ce côté-là. Mais au moins, ça a permis de nous... Enfin, comme Happy l'a dit, pardon. De mettre les choses à plat, de se dire ce qu'on avait à se dire et de se mettre en bonne condition pour le major qui allait arriver, parce que il était hors de question de laisser Steven... Enfin, de ne pas arriver à 100% dans Steven. Du coup, okay. Ça va faire la transition sur la prochaine question. Du coup, vous n'étiez pas confiant pour cet event? Vous ne pensez pas le gagner? Vous ne pensez pas arriver jusque-là? Honnêtement, on voulait rentrer dans l'event en se disant que qu'on avait tout à prouver et qu'on n'était pas favori, qu'on était comme si on devait arriver et comme notre premier major ensemble, qu'on devait juste bien jouer et faire les choses proprement. Au fond, on savait qu'on avait toutes les capacités et que notre jeu d'équipe, même si on s'était pas penché, il allait marcher quoi qu'il arrive, au moins sur certaines maps. Puis il y en a qui font moins peur aussi. Et ouais, voilà, les gros favoris faisaient moins peur qu'avant. Enfin, VP était vraiment en dents de scie et là, ils ont atteint un bon petit bas à la LAN. Fnatic, moins incisif, Dominateur, ouais. Donc voilà, il y avait. C'est sûr que c'était un major beaucoup plus ouvert, puis on l'a vu de toute façon sur le résultat que les autres. Donc on voulait tout donner, on voulait pas se mettre dans une mentalité de gagnant, de favori en tout cas. Donc entre les deux, quoi. D'accord. Donc là, on arrive donc au départ de 10. Vous partez tous ensemble, j'imagine, pour arriver à Cluj. Vous pouvez un peu raconter le départ, l'ambiance dans l'avion, après il y avait plein de joueurs dans le même avion, comment se passait l'arrivée à la Cluj, l'arrivée dans la LAN, etc. C'est vrai, ça c'était un petit côté marrant, il y avait un avion que je pense que si cet avion disparaissait, la SNCS n'existait plus. Donc il fallait faire très gaffe, mais... Ouais, c'est toujours marrant, de toute façon une fois qu'on n'est pas dans la compétition, en train de jouer, honnêtement, on est tous potes, quoi. On s'entend tous bien, on rigole avec les autres équipes. Donc l'ambiance était cool, quoi. On était contents. Vous aviez un vol direct Nice-Cluj? Ou c'est un peu galère? Nice-Munich et Munich-Cluj. Tous les joueurs sont rencontrés, en fait. Mais aucun souci, le voyage, okay. C'était cool, on rigolait. Ouais, pas de pression. Voilà. Ah non, pas du tout. Enfin, ouais, on s'était bien mis dans la tête que de toute façon, vu le bootcamp qu'on a fait, on n'était pas favoris, donc on a tout approuvé. Et... donc, du coup, vous arrivez à Cluj, vous passez donc votre premier match, c'est contre Dignitas, vous gagnez 16-6 sur Cobble, et ce que je vous propose, c'est d'écouter l'interview d'Happy,
votre mail, votre landing game, et après on posera la question. D'accord. On s'excuse pour le son. Eh bien, on s'excuse pour le son. Comment ça? Vous regrettez pas trop la nourriture française? C'est depuis qu'on est arrivé, c'est l'ancienne. Enfin, non, c'est du béton. Vous commencez par Dignitas, comment ça s'est passé pour vous? Alors, le premier round, j'ai pris 4 hachets dans la tête en anti-strat. C'est plutôt mal, ça a mal commencé, mais enfin, voilà, on a mis le premier en armée, et à partir de là, on a su construire l'économie, on a mettre les rois. On a fini à 10 ans. Et à partir de là, moi, je savais que si on déconnait pas en terreau, bah, on pouvait rapidement plier la game et c'est ce qui s'est à peu près passé. D'accord. Il n'y a, jamais eu aucun moment d'inquiétude, même à 5-5 au début, vous n'avez pas senti fébrile ou tout comme ça? Non, enfin, Nitas, on les connaît assez bien parce qu'on les joue pas mal en ce moment sur Internet dans les compétitions officielles. Et enfin, moi, ce qui me marque le plus chez Nitas, c'est vraiment le jeu qui est en tout et... d'être inquiété plus que ça de jouer Nitas sur Cubal qui est quand même une de nos maps très très fortes en ce moment. Donc du coup, bon, on s'excuse encore une fois pour le son, on a des petits problèmes techniques, donc bah, la qualité est pas terrible. Vous mais vous en parlez à Scrat, hein, il est là, vous pouvez lui expliquer. Je vais y aller. Mais du coup, vous avez confiant par rapport à ce match, à pied, on a l'impression qu'il n'y a aucun doute, c'est sûr, vous allez estomper et gagner. Bah, Dignitas reste une équipe quand même qui considère inférieure à nous. Qui venait de faire un changement en plus. Donc, qui, ouais, en plus, venait de faire un changement. Donc, voilà, une équipe comme ça, oui, dans nos têtes, quand même, enfin, bon, on va se respecter, mais c'est le genre d'équipe qui sont pas censées nous inquiéter, si on joue bien, en tout cas. Et là, typiquement, sur ce genre d'event, vous avez les poules à l'avance, vous savez contre qui vous allez jouer, ouais. Théoriquement, contre qui vous affrontez ensuite. Est-ce que vous regardez vous pensez aux maps que vous pouvez jouer contre eux? Est-ce que vous anti-stratez quelque chose avant? Est-ce que vous étudiez 2-3 trucs? Parce qu'il dit direct, nous on s'est pris quadruple H direct, on s'est fait anti-strat quoi. Du coup, est-ce que vous faites pareil vous? Enfin là, les 4 H qu'on s'est pris dans la gueule, c'était une petite trick très spécifique. Mm-hmm. Mais je pense que c'est très spécifique aux équipes. Nous on se focus 100% sur notre jeu, on évite de trop regarder parce que on sait qu'on va vouloir s'adapter par exemple et ne pas jouer notre jeu et c'est là que ça va nous faire défaut. Donc nous on reste très, très en recul par rapport à ça, quand on regarde plus ou moins comment, enfin Happy et moi on regarde plus ou moins comment ils jouent en gros. On arrive à voir le jeu d'un point de vue plus macro, donc plus de l'extérieur pour voir comment ils aiment bien jouer, quelles zones ils aiment bien attaquer, etc. Mais en général, on se focus 100% sur notre jeu. Quoi. Si on joue bien, enfin, dans nos têtes, c'est si on joue bien, si on joue notre jeu parfaitement, on peut gagner n'importe quelle équipe. Donc, on a beau savoir ce qui se passe, on pense aux maps, on regarde, on connaît les équipes, de toute façon, maintenant, un peu toutes. C'est très dur de changer radicalement de jeu. Et ouais, non, au final, le match, voilà, pas ultra compliqué. Quoi. Genre, ça va. Quoi. On se prend trop un jeu, mais ça va. Est-ce que dans cette poule, est-ce que vous craignez une équipe particulièrement ou vous pensez que ça va être qu'une formalité? En BO1, honnêtement, toutes les équipes peuvent faire peur si t'es pas prêt, enfin si t'es pas à 100%. Alors, je pense qu'on s'attendait pas à mettre une petite gifle comme ça à Navi. Parce que le match, vraiment, je pense qu'on les a. Bon, on les a un peu bousculés quoi. Enfin, on, oui, fait, avez... on fait attention, quoi. On fait très attention à chaque match-up, on fait attention aux maps. Mais à mon avis, c'est une équipe en major contre qui on a des bons résultats, donc un petit peu en plus. Moi, c'est la question que je vais poser de l'extérieur. On est au 7ème major, là. Est-ce que c'est encore possible d'avoir des poules en BO1? Enfin, parce que c'est un feedback que tout le monde fait, tous les joueurs font plus ou moins. Est-ce que t'as 5 jours de compétition, tu peux caler des poules en BO3, je pense. Honnêtement, ouais, c'est pas. Enfin, c'est quelque chose que tous les joueurs veulent, évidemment, mais. Et voilà, ça reste la décision de l'Orga, ça reste la décision de Valve aussi.
Et malheureusement, enfin, on a Ok, beau. vous avez pas votre mot à dire, quoi. Bah, on a beau le vouloir, ouais, c'est quelque chose, quoi, finalement. Bon, peut-être que le syndicat aura un mot à dire l'année On en a prochaine, on parlé, verra. mais. Ouais, je ne sais même pas comment ça se passe. Je sais même pas ce qui se passe l'année Pour en prochaine. parler plus tard. Mais. Ouais, enfin, aucune idée, quoi. On a envie, enfin, tous les joueurs ont envie, les viewers ont envie, mais apparemment, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, Envy a envie. Allez, on enchaîne. Du coup, le jour numéro 2, vous affrontez Navi. Donc 16, en fait, premier side, donc 8-7 en terreau, puis vous finissez 16-9. Donc bah, une fois qu'en cité, ça se déroule bien mieux. Moi, je propose de regarder le winning moment et l'interview de Kyo juste après le match. Bon, Kyo, félicitations, qualifié. Oui. Bon, départ, ça a été un petit peu tendu. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, bon, comme vos copains de chez Titan, vous jouez une équipe sur une de ces maps fortes, non? C'était voulu de les jouer sur Mirage? C'est peut-être une de leurs maps de la map, wow, de leur map forte, mais nous aussi. Et après, c'était pas, comment dire, c'était serré, mais c'était genre du 3 rounds, 3 rounds, 3 rounds, etc., etc. Donc c'était assez. On peut dire que genre, on savait que si on mettait le rune, on avait le contrôle de la map. Et c'est ce qui s'est passé à chaque fois, on mettait les bons runes, on a perdu quelques trucs dégueux, mais c'est pas si grave que ça, puisqu'on a mis les runes importants juste derrière, donc on savait qu'on avait la game en main, quoi. Et justement, ouais, donc au début c'était un petit peu serré, et là t'arrives sur le GRCT, tu débloques un peu la situation, tu fais 3 kills, et à partir de là, vous les avez un peu enterrés, non? C'est surtout, on a bien commencé le side, on savait comment les jouer, et bah ça a fonctionné, ce qu'on savait, ils l'ont fait, donc on a bien counter et c'est passé parfaitement, quoi. Bon, pour le moment, on a l'impression que bah, vous déroulez, qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. Bon, même comme tu l'as dit, vous étiez un peu impressionné de les stomp sur Mirage, mais au final, tout se passe bien. Cependant, dans la même journée, il y a un événement qui arrive, c'est Fnatic qui perd contre Luminosity dans les poules. Alors déjà, j'ai posé la question à Scrat qui était là. Toi qui étais là, comment étaient les joueurs Fnatic? Est-ce que tu les sentais confiants en ce moment ou plutôt faibles? Ah, c'est compliqué à dire parce que je pense que maintenant, enfin, c'est des joueurs qui sont très détachés, très relâchés, donc je t'avoue que c'est pas évident de sentir un peu leurs émotions. Voilà, je pense qu'ils ont été un peu bousculés. Mais je pense que quelque part ça a pas dû les inquiéter plus que ça. Et puis en même temps, c'était pas une énorme surprise que. Enfin, d'un point de vue extérieur, c'était une grosse surprise parce que Luminosity, voilà, on les connaît pas depuis très longtemps sur la scène internationale, mais quand on discutait avec les joueurs et les gens de la scène, ils disaient qu'en Prague, ils étaient très bons, qu'ils étaient tout à fait capables de battre une équipe en BO1 comme ça. Donc non, c'était pas un coup de tonnerre comme on aurait pu l'imaginer, quoi. Et du coup, les gars, Nex, est-ce que vous pouvez rebondir sur ce qu'a dit Scrat? Je vais alors. On avait joué Luminosity en Prague un peu avant l'event. Et franchement, ils montraient de très bonnes choses. Donc, enfin, moyen surpris, quoi. Genre, on savait que l'upset était largement possible. Inferno, quand même, c'était un gros upset parce que ils avaient beau être bons sur la map, Fnatic, c'est quand même Fnatic sur Inferno. Mais ouais, LG sont chauds, quoi. LG sont bons et c'était un upset assez propre, quoi. Ils ont très bien joué, ils avaient des bons principes de jeu. Du coup, est-ce que vous vous dites il y a une faille à exploiter, peut-être dans ce major, ou pas du tout, ou on reste focus? Une faille à exploiter? Non, j'en sais rien. Enfin, c'est sur ce match, la meilleure équipe a gagné, quoi. Donc si Fnatic se font battre par LG, c'est que Fnatic n'est plus au même niveau qu'il était avant et que ouais, vas-y, ça nous donne deux fois plus envie de nous battre pour aller le chercher, quoi. Et donc là vous êtes en major, vous jouez un match par jour, ouais. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Est-ce que vous rentrez à l'hôtel, vous regardez les autres matchs, vous vous détendez, vous traînez avec les autres joueurs, comment ça se passe? Je vais laisser Jordan répondre.
Vous pouvez aller boire un coup. En général, on va dire qu'on rentre à l'hôtel. Enfin, plus ou moins, ce qui s'est passé. On rentre à l'hôtel, on boit un coup en bas de l'hôtel et après, ouais, on regarde des matchs. Enfin, on est plus ou moins tout le temps tous sur notre téléphone en train de regarder les matchs, même quand on n'est pas devant notre ordi. Pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. On reste. Tu fais n'importe quoi avec ton micro. Attends. Arrête de faire des trucs. Mieux là. Yes. Voilà. Nickel. Ah là. Donc ouais, on reste plus ou moins ensemble. Après, je sais pas, attends, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais. Ouais, non, ouais, enfin, on a plus vous ou moins êtes pas un quartier libre. Hardcore à fond dessus, regarder toutes les maps, les mecs, comment ils jouent, etc. Non, c'est vraiment. Ça dépend des jeux, enfin, moi j'aime bien regarder parce que je kiffe CS et que j'aime bien savoir ce qui se passe en général. Mais ça dépend des gens quoi. En journée, on a plus ou moins carte bleue. Ouais, carte bleue, carrément. Putain, une vie saver, carte bleue. Et carte bleue. Mais. Ouais, on essaie juste de se retrouver le soir pour manger ensemble et pour. Je sais pas, faire une partie de cartes, rester ensemble, enfin créer un peu une cohésion d'équipe, quoi, un groupe, et après dodo et match le lendemain. Et donc là, deux, en 3 jours, vous jouez 2 maps, c'est pas un peu. Vous emmerdez pas un petit peu du coup? Enfin, c'est pas. Je dis pas que Cluj c'est pas un bel endroit, mais. Moi, j'aime pas, je vais en LAN pour jouer, quoi, je vais pas en LAN pour boire des bières et taper la discute, quoi. Un match par jour, c'est vraiment trop peu, quoi. Surtout un B1, quoi. Un B1 par jour, au bout d'un moment. Du coup, vous avez pas, par exemple, il pourrait pas faire un espace où tout le monde peut prac ou des choses comme ça, y a pas... Non. Bah, y avait ça, mais à la limite... Why not, avoir des PC à disposition, pourquoi pas, quoi. On va dire, ce serait des PC à disposition, mais enfin, le truc, c'est que là, les PC qu'il y a, il n'y a pas internet dessus, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Bah, tu veux, c'est peu... on a des PC, mais pour crack, mis à part avec les équipes qui sont là, et c'était pas, on va dire qu'il n'est pas full, quoi, en plus. Donc, justement, là, tu abordes un point, je voulais en parler. Les PC. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Les PC en eux-mêmes, et les fameux écrans ASO, pour les citer. Du coup, là, vous aviez déjà joué 2 matchs, etc. C'est quoi le problème avec ces écrans? Parce que tout le monde s'en est plein. Est-ce qu'il y a des problèmes de PC aussi? On a entendu des trucs un peu chelous. Non, tout était bien, moi je trouvais ça bien, non Nathan? Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas joué toi, qu'est-ce que tu... En tant que spectateur. Non, c'était l'enfer. Les PC en gros tournaient entre 150 et 200 FPS. Donc déjà c'est pas le top, quoi. C'est des PC qui datent d'il y a 2 ans en fait, qu'ils avaient utilisé pour une Trimac, je sais pas quand. Enfin, il y a très longtemps. Et les écrans, bah en gros, les ASO... il lag, enfin, t'as un petit temps de latence en gros sur ta souris, c'est pas très très fluide quoi. Donc, ouais, c'était pas top pour jeu quoi, c'était vraiment vraiment pas top. Et ça, c'était unanime, un feedback unanime ou. Enfin, hormis ouais, Nip, forcément, qui est sponsor par ASO. Ouais, c'est tout le monde. Enfin, ouais, quoi, ASO c'est pas le truc optimal. Apparemment, ils vont sortir des écrans là, fin d'année, je crois. Donc, peut-être que ceux-là seront bien. Mais ceux-là, en tout cas, on les avait déjà eu à plusieurs events et non, quoi. C'est juste pas des bonnes conditions pour jouer à tel événement. Donc un major avec 150 FPS et un écran qui lag un peu, c'est quand même... Ouais, c'est pas le top, quoi. Ouais, ok. Du coup, bah, en fait, t'as déjà répondu à ma première question, enfin, NBK, Next et Enel. Je vais parler justement du troisième jour, le jour justement où vous avez pas fait grand chose, vu que vous avez pas de match à jouer. Comme je l'ai dit, bah, vous êtes un peu reposé, détendu, vous avez un peu carte blanche, vous avez pas tryhard. Et ça nous amène donc au quatrième jour. Là, vous affrontez Fnatic. Oui. Les copains, ouais. Un match attendu. Par tous, parce que NVS Fnatic, j'ai envie de dire 5 classiques. C'était la finale attendue un peu. C'était la finale un peu avant l'heure, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que tous les Français ont peut-être un peu douté d'NVS en se disant, mon Dieu, vont-ils y arriver? Ça serait moche qu'ils se fassent éliminer au quart, mais finalement, vous le faites. Est-ce que tu peux nous en parler? Revenir sur la première map. Ouais. Perdu, comment... Alors, première map, vous jouez D2, vous perdez 16-10, 16-9. Non, c'était Mirage, pardon. C'était Mirage. Vous perdez 16-9. Ouais, en gros, enfin, je voulais juste avant ça parler d'une prophétie en gros dont je me suis rendu compte avant de jouer Fnatic en fait. Ah ouais, une prophétie. Alors, en gros,
exclu MBK. Nous avons joué NiP en poule. Nous avons ensuite joué Fnatic en quart, et nous avons rejoué NiP en grande finale. Mm-hmm. Ce Major, nous avons joué Navi en poule, nous avons joué Fnatic en quart, et nous avons rejoué Navi en finale. Et Titan avait perdu en poule. Et non, ils étaient pas. Non, ils étaient. Mais voilà. Donc, apparemment, quand on joue Fnatic en quart, on va jouer la même équipe qu'on a joué en poule en finale, et on va gagner. Donc voilà, c'est une petite prophétie, je pense qu'elle marche plusieurs fois. Mais pour revenir à Fnatic même, honnêtement, on n'avait pas spécialement peur, parce que ces derniers temps, honnêtement, ils n'ont rien montré de ouf. Leur niveau est en baisse, quoi. Donc on les avait battus sur Internet plusieurs fois, assez sèchement, sur Train, deux fois, je crois. Et on était assez confiants, honnêtement, contre eux. Mais parce qu'en gros c'est une équipe qui est plus facile à jouer en quart qu'en finale, parce qu'en quart voilà t'as moins ce côté pression, t'es plus relâché quoi. C'est pas une finale où tu dis bon c'est le dernier, c'est la dernière marche avant de, enfin après il y a plus rien au-dessus. Donc tu les prends comme une enfin comme si c'était une autre équipe quoi. Et ouais, enfin le match commence mal. Mirage, honnêtement on joue pas bien. Enfin vraiment on joue pas bien. Moi personnellement je joue pas bien sur cette map. Pas à l'aise, je sais pas. Un truc qui marche pas dans l'équipe et après bah, on arrive à se reprendre. Ce qui était dommage c'est que vous commenciez bien vos rounds et souvent ils remportaient des situations exactement compliquées. Ouais, on perd un 2v5, un 3v4, enfin un 5v2 pardon, un 4v3, des situations en pourrave quoi. Et en équipe on n'arrive pas à se mettre dedans, on a une mauvaise com, mauvais teamplay, mauvais un peu tout, je dirais. Dan fait une très bonne map, mais ouais, le côté teamplay n'est pas là, quoi. Donc, ouais, déçu. Déçu de la première map. Et justement, là, quand t'arrives à la fin de la première map, perdue, c'est quoi? C'est, bon, on s'y attendait, c'est pas une map qu'on apprécie, où ils sont meilleurs que nous, on le sait. Enfin, vous dites quoi? C'est, moi, je me suis chié dessus un petit peu. bah, on sort et... Et c'est maintenant ou jamais quoi. C'est soit on enclenche ce switch qu'on a dans la tête et de se dire bon bah maintenant on joue ensemble et on gagne, ou alors on se fait éliminer et on sort en quart et on est des merdes et voilà quoi. Donc Et là Next, toi par exemple t'as un rôle, tu leur parles aussi pour peut-être t'es plus lucide que sur le moment. Je leur parle mais pas du jeu. Des erreurs entre guillemets qu'ils ont fait dans le jeu ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on mange Ou alors des très grosses erreurs genre le 5v2, enfin le 2v5 pardon. Ouais mais sinon non, en général c'est plus dans le sens où j'engage la discussion. Parce que quand on sort, bah généralement personne parle, quand on a perdu c'est un petit peu compliqué, on sait pas trop quoi dire, on a encore le match dans la tête. Donc en général j'engage la discussion. Bon, je dis des trucs bien, d'autres moins bien. Et en général, ça aide un petit peu à rebondir et chacun commence à dire, à penser à quelque chose et ça engage pas une discussion, mais on va dire, chacun a un petit temps de parole qui fait que, au final, bah, la conclusion, en général, c'est soit Nathan, soit Vincent qui clôture le truc, plus ou moins. Et c'est, on va dire que mon rôle, c'est plus de les décoincer, quoi, tu vois. De vraiment un petit peu remettre un petit peu d'énergie dans l'équipe pour que ça soit productif les 10 minutes ou 15 minutes de chaque map. Et du coup, c'est efficace vu que vous revenez et que Cobblestone 16-9, vous commencez CT, vous leur mettez 9-6, je crois. Et du coup, enfin, ouais. Ça roule, quoi. Ouais, ça roule. Le match va bien, quoi. On joue en équipe, on parle bien, on fait les bons choix, on met des runes un peu sales, je pense. Enfin, on fait les choses bien, quoi, tout simplement. L'équipe se porte bien, quoi. La com va bien. Enfin, tout le monde remplit son rôle, quoi, en final. Et personne n'en fait plus ou moins que ce qu'il faut faire. Et ça se passe bien, quoi. Donc, vu de l'extérieur, en tout cas, c'était pas la même équipe que la map d'avant, quoi, si on veut dire. Et ensuite, c'est le viol. 16-2 pour une fois, sur cash. Tu vas bien pour nous. Et ouais, du coup,
C'est quoi, c'est vous les avez défoncés ou ils sont pas là, qu'est-ce qui se passe quoi, c'est un mix des deux. Enfin, quand il y a des gros scores comme ça, c'est en général un mix des deux. Honnêtement, ils étaient pas top. Enfin, tu sentais qu'ils étaient un peu plus trop dans le match, bizarrement. Et nous, on fait le match parfait, quoi. Enfin, toutes les décisions sont bonnes, les headshots partent parfaitement dans toutes les bonnes situations. Excellent teamplay, on se comprend, on fait exactement ce qu'il y a à faire. Et ouais, on a l'impression qu'ils... Enfin, pas qu'ils sont absents, mais qu'ils ont un pas de retard sur tout ce qu'on fait. Donc, match parfait pour nous. Ça va pas plus loin que ça, je pense. Moi, ce que je propose, c'est de passer sur l'interview d'Apex, un de tes mails, donc du coup, et le winning moment aussi. On est avec Dan, Apex, après sa super victoire contre Fnatic, donc comment tu te sens ? Notre super victoire. Bah, je me sens vraiment bien. Comme je l'ai dit précédemment dans quelques interviews, je voulais vraiment cette revanche en major contre Fnatic. Parce que la dernière fois, on doit mettre au moins une map à Cologne. Et même s'ils sont un peu moins en forme, c'est la meilleure équipe du monde toujours. Et je voulais le montrer. Je voulais montrer qu'on veut aussi être la meilleure équipe du monde. Et on a réussi à battre Fnatic en quart de finale. C'est super. Ouais. On va parler de Mirage. On vous a senti bien parti. Sur votre side CT, j'avais l'impression que vous preniez les premiers kills, toujours, c'était plutôt pas mal. Et en fin de round, il y avait des situations de clutch que Fnatic finissait par remporter. Est-ce que tu peux juste commenter là-dessus ? Alors ces derniers temps, c'est un peu notre souci. C'est qu'on fait tout le temps les premiers kills et on perd nos rounds, surtout en CT. Donc là, sur Mirage, ce qui se passe, c'est que... On va dire que dans ce genre de round, dans 5v2, comment expliquer ? Il faut pas prendre... Enfin, nous, c'est un peu un principe, il faut pas prendre des link plans, c'est-à-dire... Par exemple, t'es middle, tu prends pas la ligne de la Windows sur le mid, tu prends pas la ligne du link, tu te mets genre en ligne cassée et tu joues avec tes potes quoi. Et on a joué que des 1v1 et on a perdu 2 ou 3 rounds comme ça, imperdables. Donc ça nous a mis super mal. Après le GR Tero, on fait pas un super side CT, le GR Tero, on doit le mettre. Et là Nathan, bon, ça arrive, hein, il dit 3 spawns. Donc nous on repart tous du spawn parce que et là il y en a un EDF et on se fait prendre en sandwich et on perd le round. Voilà, il y a eu des petites mésententes et des erreurs qui nous ont coûté la map, mais ouais, on a reçu rebondir après. Justement, là après, il y avait Kubble. Vous étiez un peu inquiet de la rejouer parce que vous aviez un peu eu du mal à Cologne sur Kubble, justement. Enfin, dire, comment vous avez abordé la map, sachant que derrière, il y avait peut-être Cash. Je discutais avec Astro avant, il me disait s'il passe Kubble, c'est bon, sur Cash, ils ont ce qu'il faut. Comment t'as abordé Kubble ? On va dire que Kubble, en ce moment, enfin, on les a rejoués une fois la Gfinity sur Kubble, on a gagné 16-12. Bon. Mais on a su comment la jouer après le Major contre eux parce qu'ils ont un style de jeu particulier, mais ils jouent énormément le B en fait en fin de round. Donc on a joué énormément 4 le B, presque tout le side, je me suis retrouvé très souvent à tout seul. Et au moment c'est Nura, on mettait les rounds, donc Kubble on était assez serein, c'était quand même notre pick. Parce que bon, c'est voilà, si on pique, enfin c'est notre pick, c'est le pick de Happy parce que avant qu'on fasse les bétons, on connaît pas les maps qu'on joue avec Vincent, c'est assez marrant. Donc ouais, Kubble, on est serein, on met bien les rounds, on perd des rounds qu'on doit jamais perdre. On perd un 3v2, un 4v2, enfin deux rounds qu'on ne doit jamais perdre. Si on ne perd pas 6 rounds, on gagne 12-3 ou 13-2. Mais bon, on sait que notre site est encore meilleur que le CT et on finit bien la map. On gagne 16-9 et on était assez confiants. Et après, bah, Cash, quoi. Ça ressemblait à une formalité. On avait un peu l'impression de voir Nip écraser Titan IA sur D2. Quoi. C'était un peu. Vous avez enfoncé. Comment ça s'est passé ? Vous leur rouliez dessus s'il n'y avait plus de structure ? Bah, on va dire qu'il restait Cash, 2-2 et. Et inf. Et clairement, c'est la map la plus avantageuse pour nous parce que, enfin, eux, je pense qu'ils priaient pour pas la jouer. Parce que, bon, les deux dernières fois qu'on les a jouées, je pense qu'on a gagné 16-5 sur internet. Bon, c'est internet et genre 16-6 ou 16-8 à la Gfinity. Donc, c'est sûrement une de nos meilleures maps. Hein. C'est assez connu. Donc, on était assez contents de la jouer et bah, tout s'est bien passé. Quoi. On perd pas de round bête, enfin, peut-être un, mais bon, on prend deux rounds donc ça va. Et ouais, on était assez serein, notre jeu était fluide, on était au-dessus d'eux au niveau skill, même au niveau stratégique, hein, on a vu que ça manquait de quelque chose sur ce coup, donc ouais, le cash était assez simple. Voilà, donc on est de retour après l'interview d'NBK.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, NBK, Annex, ou on peut passer de suite à la suite? Je pense qu'Apex a bien expliqué. Voilà, c'est pour ça. Ouais, je pense qu'on va... On va enchaîner. On va éviter. Donc voilà, en fait, vous passez. On arrive en demi-finale, vous êtes contre G2, vous étiez favori. Vous perdez donc 16-10 sur cette première map qui est D2. Et bah, déjà là, on vous sent, on va dire, pas serein. C'est D2, on pensait que vous pouviez la gagner. Il y a quelques erreurs. Et juste après, il y a Inferno. Et là, plein d'overtime, c'est un peu un massacre, j'ai envie de vous dire. Mais je vais d'abord te laisser commenter la première map. Déjà, est-ce que vous attendiez à perdre, simplement, des deux? C'était notre plus gros ennemi en finale, au final, pardon. Parce que la veille, quand on voit G2 qui bat VP, enfin, on s'attend pas à ça, quoi. On s'attend pas à les voir en demi-finale, et ouais, on s'attendait à jouer VP, tout simplement, donc... On s'est directement dit, bon, faut pas les sous-estimer, c'est une bonne équipe, ils avaient l'air chaud. Et ouais, on arrive dans le match fébrile, quoi. On n'est pas... À l'image de Fnatic, on n'est pas dedans, quoi. En équipe, on n'arrive pas, Enfin, en équipe, on pue, quoi. On a beau mettre 2-3 headshots, peut-être faire des petites actions individuelles. Si en équipe, t'as pas de teamplay comme eux, ils en avaient, bah ouais, tu te fais gifler, quoi. Et c'est ce qui est arrivé sur la première map. Des G2... Très 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 chaud et très prêt pour cette demi-finale. Et du coup, donc on passe à la prochaine map, c'est Inferno. On a vraiment peur que vous perdiez cette map. Au final, vous arrivez à accrocher le 15-13, je crois, le 15-14, je sais plus. Et là, il remonte 15-15. Et là, on va dire, c'est un peu l'enfer. Il passe un premier overtime, un deuxième overtime où il vous met 3-0 d'affilée. Et après, vous venez en troisième. Que s'est-il passé? Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est... honnêtement, toute la map était chelou, quoi. Du début à la fin, c'était... On met 9-6 en terreau, on passe CT, on perd le GR, on met l'écho, et on n'arrive pas à enchaîner des rounds, quoi. On prend un V4 par Rain qui... Enfin, voilà, un round un peu pas très beau, quoi. Perdre les deux GR, j'ai Inferno. Ouais, bon, après on met... Je sais plus. Hein, parce que... Enfin, on met l'écho CT. Yep. Parce que voilà, pistole, tout va bien. Mais ouais, toute la map était bizarre, quoi. 9-6, premier side, on arrive à mettre l'écho, on arrive enfin, on se fait remonter d'une manière sale. Parce qu'on perd des rounds un peu pourris. Et overtime, ouais, quand on est à 0-3, ben. Ouais, plus le droit à l'erreur, quoi. On n'a plus le droit à l'erreur. Et là, c'est l'auto-noob. Et là, c'est l'auto-snipe. Ouais, bah honnêtement... C'était quoi, c'est préparé ou c'est genre, bon, j'y vais, c'est parti? Absolument pas préparé, c'est juste que je me suis dit, bon, bah, j'ai 10 000 dollars à dépenser, si on perd, de toute façon, le prochain round, terminé, quoi. Et donc, bah, auto-snipe, parce que j'ai de la thune et que je me fais, aller, c'est parti, quoi. Et ouais, j'avais pensé à des joueurs comme Flamey qui l'a utilisé contre nous en LAN, ou quand je l'avais pris déjà, je sais plus quel LAN, sur Inferno. Et bah, ça marche, quoi. Ça oui, en tout cas, il le sort assez régulièrement. Parce que ouais, c'est des mecs qui viennent sans mettre trop de stuff, qui jouent assez groupé, et que l'autosnipe, bah, c'est une bonne solution à ça, quoi. Donc, ouais, non, je suis pas sorti sur le tas, quoi, sur le moment. La petite pépite, quoi. Je te dirais que tranquille avec, je crois, en plus. Donc. Ouais, bah sur cet overtime-là, ils deviennent deux fois malades, en plus. Ouais. Donc, sur cet overtime, c'était un massacre. Ça a vraiment fait le café, ça a vraiment été utile. Et après, ils ont pris un round, d'ailleurs. Ouais. Cette round de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. On passe du coup sur la finale, on essaie d'avancer d'aller un peu plus vite. Vous affrontez Na'Vi, première map Train, deuxième map Cobblestone. Train est un peu serré. Vous avez quand même accroché le 16-14, c'est vraiment limite. Est-ce que tu peux nous expliquer? La map était ultra dure. C'était leur map en plus. C'était leur pick, et sur un BO3, enfin c'est une de leurs... dans le top 2 de leur best map avec D2. Évidemment, on a eu D2 en 3ème map, donc on voulait vraiment pas tomber en 3 maps, quoi. Donc, ouais, Train, et au final, sur le papier, tu regardes de l'extérieur, on a sorti un énorme match, quoi. Parce que on met 7-0,
en étant deux vivants à chaque fois, un ou deux vivants à la fin du round. Donc on prend un round, on est direct double KO. Et au final, on fait un side CT très moyen, on gagne 9-6, je crois. 9-6, ouais. Ouais, 9-6. Deuxième side, ouais, on se fait stomp quoi, au début. Et au final, on doit jouer que des rondes d'armée. Quoi. Donc, on arrive à mettre sur 6 rondes d'armée, je crois, on arrive à en mettre 5 pour avoir 15 threads, un truc comme ça. Et après, on arrive à conclure 16-14 sur un 1v1. Ah, j'ai un kiné, ouais. Serré, donc, ouais, map extrêmement dur. Extrêmement dur. Mais on était très très content de l'avoir gagné, évidemment, parce que pour moi c'était la map clé du BO3. Ouais, ce que j'allais te dire, du coup, il y a Train, Kubble et D2. Ouais. Je crois que c'est toi qui as dit à HLTV, enfin, pour moi, ils allaient prendre D2 si on l'a joué. Ouais. Du coup, c'était, enfin, dans ta tête, c'était soit on a Train, soit on est mort, quoi. Plus ou moins. Soit ça ouais, va être chaud. Train, quoi. Pour moi, c'était la map capitale, de toute façon, si on la gagne, t'es quasiment sûr qu'on allait leur mettre 2-0. Parce que, enfin, gagner Train comme ça 16-14, c'était un coup, d'une part parce que c'est leur pick, donc un énorme coup moral. Enfin, tu vois leur tête après la map, enfin, les mecs sont pas bien, clairement. Et ouais, pour moi, c'est grâce à Train, de toute façon, qu'on leur met une si grosse map, enfin, une si grosse Kubble juste derrière, quoi. Et D2, ouais, pour l'instant, on est pas top dessus, donc, Je pense honnêtement qu'il l'aurait gagné quoi, si ça partait en troisième. On aurait tout donné évidemment, on aurait changé des trucs sur le tas parce qu'on sait ce qui va pas, mais ouais, ça aurait été un peu un pari quoi, un pari à leur avantage. Donc ouais, et du coup vous gagnez justesse sur Train, ouais. Kubble, la maison, 16-5, easy peasy, et deuxième major dans la poche. Bah Kubble honnêtement je pense que le score était aussi large grâce à Train. On leur gagne Train 16-14, enfin vraiment c'était une map qui devait gagner et on arrive à leur prendre. Surtout qu'ils mettent un stomp à Nip juste avant. Ouais presque. En plus ils explosent Nip en terreau et leur mettent 12-3 un truc comme ça en terreau. Après ils ont explosé sur les deux maps donc. Ouais. Enfin ouais, je pense qu'ils se sentaient assez confiants de venir en finale après avoir joué Nip comme ça. Mais ouais, je pense que Train c'était le turning point quoi. Enfin, Kubble, on était supérieur à eux, c'est pas une map qu'ils apprécient en plus, ils la jouent peu. Mais ouais, tu voyais qu'ils avaient plus la petite étincelle qu'ils avaient sur Train quoi. C'était on tente un truc, on tente ça, on va à gauche, on va à droite et si ça passe c'est cool, si ça passe pas ben dommage quoi. C'est vrai qu'il y avait pas grand-chose à dire sur Kubble, ça a été plus ou moins un stomp et là donc vous gagnez le major, deuxième major. Félicitations ouais. À vous deux. Du coup, Et du coup, qu'est-ce que, enfin, ça représente pourquoi toi, ça représente quoi pour toi de gagner un major comme ça? C'est parce que vous avez gagné plein de LAN, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un truc? Parce que, enfin, après, on pourra peut-être en parler juste après, mais c'était pas non plus de l'extérieur. Enfin, c'était pas dans le grand stade plein de ouf, tout le monde criait. Voilà. C'est moins spectaculaire que Cologne, par exemple. Ouais, c'était pas Cologne, mais c'est un major, quoi. Enfin, il y a beaucoup du point de vue extérieur, c'est sûr que c'est moins impressionnant de gagner contre des Gamers 2 et des Navi qui sont pas des noms que... Enfin, c'est pas des équipes qui ont gagné énormément ces derniers temps, mais au niveau du jeu, en tout cas, ils étaient très présents, c'était deux équipes très fortes. Mais c'était... Enfin, c'est un major quoi. On a gagné un major. Yes, yes. C'est le même plaisir que. Enfin, en tant que personne, c'est le même plaisir que. C'était différent pour toi ou pour Kenny par exemple, pour qui c'était le premier. Ouais. Par exemple, toi, pour comparer à la DreamHack, la première, comment c'est. Ouais, la DreamHack c'était troisième map. Serré overtime, ouais, 15-13, on remonte overtime. Enfin, c'était un petit feeling encore différent. Mais ouais, c'est un gros achievement quoi. Quand tu gagnes un major, c'est un truc quoi. C'est un gros achievement que t'arrives à te mettre en plus dans la poche et non, c'est juste énormément de plaisir. Et après ouais, c'est sûr que je pense qu'il y a une légère différence entre Kenny qui on l'a vu ça. Une réussite au major c'est les derniers temps, mais c'est vrai qu'on a vu Kenny comme un gosse. ça faisait plaisir. Honnêtement, c'était un peu la revanche, ouais. Ouais, c'est ça. Il voulait montrer que
qu'ils pouvaient faire une grande finale et ils voulaient montrer qu'ils pouvaient gagner des majors. Et voilà, c'est fait. Et toi, Nex, du coup, Nex, ton premier major? Ouais, remporté. Ouais, premier major remporté. Vrai, bah, pareil, ouais, j'étais là, on m'a pas beaucoup vu, mais j'étais là. Mais non, en gros, c'est pas au même niveau, on va dire, que Kenny ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un accomplissement, que ce soit pour un joueur ou un manager ou enfin n'importe qui, c'est vraiment c'est quelque chose de spécial, c'est inexplicable. Comme je disais, enfin, il y a un an en arrière, j'ai gagné le SBLC féminin, donc c'est pas encore le truc, mais c'est la compétition féminine. C'était déjà enfin énorme, mais là c'était encore les ressentis sont juste décuplés, quoi. Et c'est vrai que, comme vous dites, vu de l'extérieur, c'est pas Cologne, il y avait pas nos supporters français que vous avez gentiment amené, etc. Mais ça reste un major et c'est quand même c'est une sensation hors norme, et je pense que tout grand joueur a envie de gagner un major, quoi. C'est quelque chose, ouais, d'incontournable, quoi. Du coup, moi, je vous propose de passer aux questions viewers, si ça vous intéresse. Du coup, vous allez pouvoir poser vos questions sur le Mumble. Et il y a Trax qui va faire une sélection et qui va vous démute au fur et à mesure pour pouvoir poser vos questions, que ce soit Annex ou NBK. À ton tour, Trax. Merci. Alors déjà, pour tout ce qui est question des cheveux d'NBK... on ne prendra pas, voilà. Donc NBK, c'est teint les cheveux en bleu. Tout a été demandé. Voilà, c'est le NVNBK sur Twitter. Sinon, il y a Ertes qui avait une question pour toi. Je viens de te démute. Bonjour Ert. Bonsoir. Vas-y. Bonsoir. Tu peux poser ta question à NBK ou à Next. C'est pour NBK. Combien de temps tu t'entraînes par jour et sur quelle map principalement? Alors, on va dire que j'essaie de mettre un maximum d'heures de jeu en général. J'essaie de me tenir à minimum 300-400 kills de DM par jour sur le DM Titan. FFA, AKM4, comme je le sens. Et après, essayer de faire des mix. Enfin, nous on fait des FPL. Donc c'est des mix en gros sur Faceit avec tous les joueurs pros. Et ouais, c'est juste les joueurs forts en gros ont des heures de jeu. On met des heures de jeu et c'est ce qui va compter principalement. Mais sinon DM, mix, prac. Donc en heure, après en volume, DM, ben 300 frags, ça prend aller une demi-heure. Pour un joueur frags, pro. Une demi-heure. Voilà pour moi. Et après, prac, en général, une moyenne de 6 heures par jour. Et un ou deux mix, une ou deux heures. Du coup, tu fais bien de préciser qu'il y a une petite partie qui se fait toute seule et une partie qui se fait en team, justement. Ouais, c'est très important d'avoir les deux côtés parce que, encore une fois, les joueurs bons en équipe sont les joueurs bons individuellement. Et pour être fort individuellement, ça se travaille, c'est des heures de jeu à côté de ce qui est proc. Bon, merci, on va enchaîner. VNMZ avait une question pour toi, donc je t'ai démute. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est une question qui va pour NBK et pour Next. Du coup, moi ma question elle porte sur les majors, et donc je pensais, est-ce que vous pensez pas que vu le nombre de majors qu'il y a par an, les tactiques de chaque équipe elles se renouvellent pas assez, que du coup le jeu... Il est vraiment figé, quoi. Chaque équipe a son style de jeu. Et qu'au final, vous savez pas vraiment surpris. Donc, on trouve toujours les mêmes, enfin, sauf là pour le dernier major, mais les mêmes toujours aux mêmes places, en fait. Alors, il y a eu trop peu de temps entre Cologne et celui-là. Ça, c'est celui-là. Et après, ouais. 3 majors par an, enfin, ça me pose pas. Je trouve ça cool. C'est ni trop peu. Enfin, c'est ni trop, ni trop peu. Mais le problème, c'est qu'on se joue online entre top team 5-6 fois par semaine, quoi. Et que c'est juste pas possible, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être si on peut rebondir. Trop de matchs internet, quoi. Ouais. Problème, c'est peut-être pas les majors, c'est peut-être aussi le fait justement que t'as un planning hyper chargé entre les majors. Parce que quand on discute avec Valve, ouais. On sait qu'ils essayent d'en mettre 4 par an et qu'ils y arrivent jamais, justement, avec le planning hyper chargé. Donc... Yes. Ouais, c'est le problème principal. C'est tout ce qui est entre les majors, en gros, qui est beaucoup trop. Trop présent, quoi, parce que... Alors, je vais peut-être... voilà. Mais c'est vous qui choisissez de jouer certaines compétitions, ouais. Vous pouvez en zapper.
Ouais, mais en fait, le truc, c'est que. Ouais, le problème, c'est qu'on en zappe déjà. Croyez-moi qu'on en zappe déjà quelques-unes. Bon, l'exemple de la CEO, par exemple. Hein, mais... Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus tout zapper. Et. Enfin, t'es obligé au bout d'un moment d'aller. Enfin, de faire ce qui est Faceit et ESL et ESEA. Enfin, c'est ultra important. Et malheureusement, le seul truc, c'est que eux, entre eux, ne se mettent pas d'accord. Tu vois. C'est plus ça, le truc. Là. Encore quoi que là, cette saison, ça va mieux. Mais. L'agenda en soi est très chargé, un peu trop chargé à mon goût. Enfin, entre guillemets, on commence à se dire, au bout d'un moment, il va peut-être y avoir un burn-out entre tous les matchs online, les prac, les LAN. Enfin, il commence à en avoir beaucoup. Mais voilà, le truc, c'est que on peut pas non plus tout skip, quoi. Donc on doit faire des choix, on fait des choix sur les plus gros, exemple Faceit, ESL, ESEA, mais après on peut pas non plus, on peut pas tout skip quoi. Alors, je te rebondis justement, est-ce que par exemple Envy, vous impose, mais est-ce que vous devez avoir un minimum de présence en certaines compétitions, ou c'est vraiment, si vous dites par exemple nous on veut jouer que deux compétitions, ils sont ok avec ça? Plus ou moins, il y a des limites, évidemment on va pas dire, bon, pendant 6 mois on fait rien, et on fait ce qu'on veut. On joue que les majors, terminé. Mais non, on est assez libre de ce côté-là. Et en tant que joueur, de toute façon, on a toujours cette dalle qui fait qu'on veut aller en LAN, qu'on veut gagner. Et donc, on veut se confronter à chaque fois au meilleur. Parce qu'on aime ça, quoi. Donc, on fait le tri. Mais pas de. On n'est pas imposé par par NVS, quoi. Sauf cas exceptionnel, mais pour l'instant, il n'y en a pas eu, quoi. Donc, merci en tout cas. Ronan avait une question pour Next, je crois. Donc, salut Ronan, t'es des mutes. Salut. Ouais, j'avais juste une question au niveau du management, enfin ton approche du management par rapport aux filles et par rapport aux gars. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que tu manages de la même manière? Question intéressante. Je sais pas comment exactement répondre, on va dire que oui, ça se manage complètement différemment, parce que les filles, on sait que entre guillemets c'est plus sensible, il va falloir faire attention un petit peu à ce qu'on dit, etc., pour pas froisser quoi que ce soit. Enfin, bon, je pense qu'on connaît tous plus ou moins des filles autour de nous normalement, mais ouais. Kenny est sensible quand même. Hein. Et voilà. Ouais. Ouais. Mais en fait c'est que les filles, ça m'a apporté un petit peu ça, on va dire un petit peu plus ce côté. Social, si je peux dire ça, quoi. Ça a apporté ce côté, on va dire, sentiment et à faire attention à pas froisser les gens, mais d'un côté, au bout d'un moment, il y a des moments où il faut un petit peu rentrer dedans. Ouais. Mais c'est deux approches, pour moi, complètement différentes. Et aussi par rapport au fait que d'un côté, tu as du professionnel et de l'autre, du semi-pro, si je peux dire, avec juste simplement des déplacements. Enfin, maintenant, peut-être que ça a encore évolué, mais. C'est vrai que c'est des approches différentes. J'ai pas une préférence, mais ça prend, on va dire, beaucoup plus de. Ça demande, on va dire, beaucoup plus de calme de s'occuper des mecs que des filles. Voilà. Et puis même en dehors, tu dois aussi avoir tout ce qui est gestion salariale, etc. T'avais pas eu des filles. Ouais, là par contre au niveau gestion, au niveau tout, gestion planning, déplacement, salarial, société, etc. Ouais, je peux vous assurer qu'il y a du boulot. Il y a du boulot et c'est pas pour rien que c'est un job à temps plein, c'est que vraiment c'est un boulot à part entière quoi. Pourtant ça lui faisait bien la Pixel Next. Ah bah oui, c'est le week-end, voilà. La détente. C'est mon week-end détente, quoi. Mais ouais, bah, c'est ça, ça m'arrive. On rappelle le résultat ou. Oui, bien sûr, top 8 amateurs, bah, si vous voulez, les gars. Attention. En mix, hein, attention, avec Binet et tout, c'est génial. Quoi. Avec un petit tutu. Mais on va pas trop dériver. C'est pas moi. Ça me va, c'est pas moi. On va pas trop dériver du sujet, il y avait le snapshot vacarme sur ça. Voilà. donc, maintenant, on va laisser Kideo pour une question plus générale. Donc, Kideo, t'es des mutes. Par rapport au prochain. On m'entend, voilà. Quoi. Ça va pas trop. Ok. Donc moi, je voulais savoir, parce que j'ai vu qu'il y a la Meldon qui fait l'open samedi. Comme moi, je suis mineur et que j'aurais vraiment voulu rencontrer Kenya, c'est pourquoi pas toi. Est-ce qu'il y a moyen de vous voir autrement ou alors avant l'open, si vous venez avant? Et voilà, c'est tout.
Bon, petite info, en gros, nous on y sera à partir. Enfin, je pense que oui, on a moyen de te voir quand même. On y sera à partir de 18h30, quelque chose comme ça, et l'opening est prévu à 19h. Donc, je pense qu'ils vont un petit peu, bah, d'abord nous parler entre nous, mais après, enfin, on va rester dedans, mais on va aller aussi un petit peu dehors prendre l'air parce que bah, je pense qu'il va faire ultra chaud et tout ça et tout ça. Donc, enfin, si t'es dans les parages et que tu nous vois dehors, bien sûr, mais après, sinon, d'autres endroits pour nous voir, malheureusement, pas trop, quoi. Mais ouais, enfin, sans souci, on sera devant dans les parages et y a aucun problème là-dessus, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le Meltdown qui ouvre un bar à Meltdown à 10. Nice, ouais. Donc il y aura Kenny et Next notamment. C'est quand? C'est samedi? C'est samedi à 19h, C'est samedi, voilà. Donc tous ceux qui sont du côté de Nice, n'hésitez pas. Et juste pour finir ma question, quand vous étiez à Nice ce matin, je crois, ouais, si j'ai bien compris, genre vous vous baladez un peu, mais est-ce qu'il y aurait moyen la prochaine fois de savoir à peu près où vous allez, comme ça si on peut passer faire un petit coucou ou quoi? C'était dans Nice ce matin, je parle, ou autour, aux alentours, à l'extérieur? Ouais, vu que vous étiez sur Nice. Enfin, moi je Ah, parle pour Nice. ben en fait, si tu veux, je... Une séance de dédicace à la FNAC, par exemple? En fait, non, le truc c'est que... Enfin, pendant une semaine de bootcamp, on essaye de rester vraiment en équipe et de s'immerger un petit peu dans cet esprit-là. Et tout ce qui est, bah, entre guillemets, séance de dédicace ou venir nous rencontrer, enfin, je dis une bêtise, hein, mais quand on mange un KFC, un McDo ou un truc du genre, bah, des fois, on a un petit peu besoin d'être dans notre bulle. Alors, c'est triste pour vous et c'est peut-être, enfin, peut-être un petit peu égoïste, je sais pas, mais on a besoin un petit peu de ce temps-là. En plus, on avait que 6 jours, ça se passait pas forcément bien. Mais pourquoi pas une prochaine fois, si on a un peu plus de temps, organiser une séance, comme tu dis, dédicace peut-être à la FNAC, mais dans enfin, un endroit, pourquoi pas le Meltdown, ou enfin, vu que tu peux pas rentrer, ça va être compliqué, mais ou un autre endroit, tu vois, on peut trouver quelque chose à mettre en place. Mais c'est vrai que pour cette fois-ci, c'était un petit peu le rush, ça a été compliqué, mais sans souci, quoi. Ok, parce que je tiens C'est absolument à pour une faire proposition, quoi. signer ma petite souris par Kenny. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, et justement, enfin, quand on a des demandes comme ça nous motive d'autant plus, donc c'est faisable. C'est juste qu'on galère un Ok, peu là, vu merci. qu'on doit se mettre en place dans la maison, et une fois qu'on sera en place, là, Voilà, c'est ça. on pourra faire plus d'événements. Voilà, Envila, comme tu la cites si bien. Avec Envila. les couples. Envila. Bon, ben, en tout cas, je pense que c'est terminé ici pour les questions, en tout cas. Des mignons. Ok, et du coup, moi j'ai une question viewer, c'est de moi. Vous avez joué dans des genres de soundbooths, je sais pas comment on appelle ça, des genres de boîtes, Ouais, des boosts. des booths, sorry. Comment c'est la différence par rapport à d'habitude? Est-ce que c'est vraiment vous entendez mieux au niveau du son, pas avoir les gros casques hélico par exemple, est-ce qu'il y a un vrai avantage? Alors, il y a du pour et du contre. Enfin, alors. Concernant le gameplay à 100%, il n'y a que du pour. Tu joues avec tes propres casques, enfin, ces boosts-là étaient excellents, il n'y avait aucun son, t'entendais rien du tout. C'est que du bon, parce qu'on Même avait quand la énormément de bombe place à pète l'intérieur. et qu'il y a Ouais, les bon. flammes au-dessus, vous... non mais ça vous entendez Oui, alors ou... là, quand la Ouais. bombe pétait, en gros, on avait tout le truc qui tremblait. D'accord. Donc, c'était un peu. Enfin, la première fois, on a un peu flippé, honnêtement. Niveau gameplay, c'est que du bon. Après, dans un deuxième temps, niveau énergie, ambiance et le côté CS, qui pour moi, le côté CS, ça a toujours été, enfin, cette interaction que tu as avec le public, les actions intenses, etc. Et même quand t'as pas Du coup, t'entends pas Quand la t'es pas sur scène, réaction. pas de casque hélico et tout, enfin, tu peux toujours crier sur les adversaires ou t'entendre être comme ça. Donc voilà, moi, c'est ce côté-là qui me manque un peu avec ces boosts. Mais côté gameplay, par contre, c'est 100% positif. Ouais, mais même, enfin, pour donner un petit exemple, bon, même si en général je parle pas beaucoup quand j'ai le casque sur la tête et que c'est très très succinct si je dis des trucs, quoi, ou du moins je crie quand même sans parler, sans démuter mon micro. Là, pour donner une idée, enfin, j'entendais tous un par un ce qu'ils disaient réellement très bien, sans avoir de casque. Et je pense que, enfin, à contrario, ils m'entendaient aussi bien. Mais ouais, par contre, les flammes, ça faisait tout trembler, c'était un petit peu flippant. Mais s'ils pouvaient faire des boosts un tout petit peu plus grands aussi, parce que enfin, qu'on gagne ou qu'on perd, mais déjà quand on gagne, on est un peu à l'étroit, quoi. D'accord. En tout cas, on passe à Et la prochaine question, non? d'autres questions? Alors, il y en a, ça fuse hein, sur le chat. On va en Moi, j'ai encore un prendre peu de temps quoi? si vous voulez. On a Enfin, encore je du sais pas. temps. Bon, alors, une question de Ronan encore qui paraît pertinente.
Elle paraît, bah oui, c'est... je suis le stagiaire, n'oubliez pas. Donc voici Ronan, tu peux poser ta question. Ronan. Ouais, toujours. Heureux. Ouais, c'était pour Next et NBK. En fait, je pensais au niveau des LAN en France. Est-ce que vous trouvez pas qu'elle diminue, enfin, le nombre de LAN en France diminue? Par exemple, en Bretagne, il y en a beaucoup moins qu'avant sur 1.6. Et est-ce que le nombre de LAN qui diminue en fait en France, est-ce que c'est pas préjudiciable par exemple pour détecter des nouveaux talents et bah le fait qu'il y ait moins de LAN, forcément la scène professionnelle après il y a moins de, enfin les nouveaux talents en fait qui n'atteignent pas la scène professionnelle et donc la scène professionnelle, il faudra bien un jour qu'elle se renouvelle. Donc est-ce que c'est pas préjudiciable aussi pour vous le fait que bah au final c'est peut-être un milieu fermé quoi. Honnêtement, maintenant cette interaction, on va dire plus ou moins entre le ce qu'on peut appeler le subtop et le top. Enfin, j'aime pas trop cette appellation, mais voilà. Tout se fait beaucoup par Internet, quoi. Vu que nous, en gros, on a déjà beaucoup d'événements inter et qu'on doit déjà faire la sélection pour ça. De notre point de vue, faire des LAN françaises, ouais, c'est un extra, quoi, si on veut les faire. Pour la scène en général. Je pense que pas que les Français aiment bien ça, mais que les équipes sont en général présentes. D'après ce que j'ai pu voir d'un point de vue extérieur, c'est vrai que je m'intéresse pas, enfin que j'ai pas regardé à chaque LAN ce qui se passait. Mais ouais, comme dit, je pense que beaucoup se fait par Internet maintenant. Alors même si j'aime moins ça parce que c'est Internet, quoi. Tu sais pas comment les gens sont face à face et que c'est différent. Bah, puis c'est que en LAN, t'as pas les mêmes réactions, même au niveau du jeu, t'as pas le stress et tout. T'as des trucs légèrement différents. Après, je pense que la différence majeure entre 1.6 et Go, c'est que 1.6, au final, les Français restaient entre Français parce que le niveau à l'Inter était... il n'y avait pas une équipe française qui avait vraiment percé à l'Inter à part Emulate qui avait fait des gros résultats. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, c'était très franco-français, quoi. Ça se battait pour être champion de France, ça cherchait des joueurs à gauche à droite vraiment en France, quoi. Donc je pense que c'est aussi une autre différence qui est à l'heure actuelle. Pour le nombre de LAN, après, comme dit, je regarde pas chaque event, parce que déjà nous, on doit se focus sur les nôtres. Mais après, les joueurs qui doivent se faire opérer, je pense, en France, France, Belgique, Suisse, se font opérer dans la forme de LDLC White, LDLC Blue, qui vient de gagner l'OSWC, ouais. C'est ça. Ouais, je suis d'accord, mais si tu veux, au final, tu parles de LDC White et LDC Blue, mais c'est des gens qui font beaucoup de LAN, par exemple. Oui, qui font beaucoup de LAN, mais ils peuvent pas jouer contre de grosses équipes, c'est ça le... Enfin, tu sais pas, même si c'est mes potes, tout ça, tu sais pas ce qu'ils valent, Matend, etc., contre des Fnatic, contre des mecs comme ça. Et le problème, c'est qu'ils ont pas moyen de les affronter. Et, tu peux pas... par exemple, Titan, si demain ils veulent faire un changement, ben, y a plus... Enfin, hormis... Prendre un jeune du subtop aujourd'hui, c'est un pari, quoi. C'est plus genre. Il manque, je sais pas. Ouais, c'est un pari, mais bon, comme dit, tu. Enfin, après, ça reste de la compétition, quoi. Ça reste au mérite, quoi. Si t'as une équipe. Enfin. Si en tant qu'individuel, t'arrives pas à donner assez pour que ton équipe avance ou à ressortir suffisamment en faisant des matchs à 40 frags, etc. Bah, peut-être que, ouais, il te manque le. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas le petit truc qui fait que tu mérites d'être dans les top 4 équipes du monde, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, mais par exemple, toi, t'es arrivé direct, t'as joué avec Exit, tout ça, donc t'as vraiment eu des mecs t'ont appris plein de trucs et tout, alors que j'ai l'impression que c'est vraiment, à moins que, qu'il y ait des changements prochains chez certaines équipes et qu'il y ait des joueurs qui se mélangent avec. Enfin, voilà. Ils n'ont pas des mecs, par exemple, un maniaque qui pourrait aller les aider ou quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Ouais, mais... Pas de passage de témoin, quoi. Ouais, mais quand il m'avait pris, par exemple, c'était un pari, quoi. C'est que si, par exemple, maintenant, on fait un pari et que, pour X raison on doit arrêter l'aventure avec un joueur et qu'on doit prendre un joueur, et qu'on prend, je sais pas, un Body ou un Devil,
Ouais, ça serait un pari. Et c'est un pari qui peut marcher ou qui peut aussi bien ne pas marcher, quoi. Donc c'est... Je sais pas, pour moi c'est une question très compliquée, quoi. C'est dur de juger la valeur d'un joueur dans une équipe, enfin à un niveau du top mondial, comme ça, quoi. Yes. Comme dit, énormément de choses se font sur Internet. Vous LDLC, avez joué voilà, avec ils eux envoient d'ailleurs en équipe aussi de à... France. Ouais, en plus, ouais. Mais ouais, enfin LDLC, ouais, en tant qu'équipe, on fait des résultats corrects. Enfin, ils ont Ils failli ont failli battre vous des battre, ouais. équipes, genre Razer, nous, ils avaient failli nous battre en Yep. LAN. Enfin, ils ont... Enfin, pour moi, ils ont déjà ce petit côté prouvé, quoi. Ils ont déjà prouvé que c'est une bonne équipe, que c'est des bons joueurs. Et maintenant, voilà, dans leur équipe, enfin, il n'y a pas une personne, par exemple, qui se démarque suffisamment pour se dire, ouais, ce Ah, mec-là, il mérite de passer à l'étape supérieure. voilà, genre, ce mec-là, s'il y a un changement, on va lui donner sa chance parce qu'il a l'air vraiment, genre, c'est un pari, mais genre, un pari à 80%, ça va marcher, quoi. Donc, c'est comme ça que je vois la chose, quoi. Est-ce que les salaires aussi provoquent pas, bah, tu vois, le fait que, bah, toi, t'es payé, par exemple, mais je veux dire, vous tenez peut-être un peu à vos places aussi. Du coup, Alors, bah, bah, est-ce que ça joue pas, là, quoi? c'est pas. Enfin, il y a eu des Ouais. petits changements récemment chez LDLC, tout ça, donc, enfin, je sais pas s'ils peuvent en parler ou pas plus tard ou quoi, mais. Ouais, je pense qu'on va essayer de garder ça Ouais, enfin, voilà, du coup, enfin, c'est plus un argument qui secret. peut être pris en Ouais, mais compte. surtout, enfin, surtout, je pense que les personnes qui sont au niveau, enfin, moi je raisonne comme ça, mais moi je raisonne pas vis-à-vis de l'argent, quoi. Je raisonne, je veux être dans la meilleure équipe du monde, je veux prouver que on peut faire des choses Ouais, mais grandes en équipe. enfin, une fois t'as un confort de Et vie, t'as peut-être envie de garder ton confort de ah vie bah aussi. si, bah alors si tu veux garder ton confort d'équipe, taf et fais le travail, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est Bah, t'es payé au mérite, quoi. ben tu resteras dans une équipe du top si tu mérites d'y rester, quoi. Si par exemple demain, exemple con, mais si Happy demain il veut plus lead et qu'il fait 2 frags par match, ben enfin il va devoir bouger au bout d'un moment, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Si tu montres aucune envie, tu mérites pas d'être là, donc il y a pas de confort, quoi. C'est si quelqu'un ne montre pas son meilleur visage et sa meilleure envie, ça peut... Ouais, Du coup, on va essayer d'enchaîner sur là. Je suis désolé, Ronan. Si Ouais, Happy est non, y a pas de motivé, tu peux souci. prendre KRL Mais... du coup. Ouais, Qu'il est de le retour. comeback. Merci. Ah, on va essayer d'enchaîner sur les prochaines questions. Je vais juste te demander de répondre à une question, NBK. Donc, si tu devrais donner un nom d'un joueur du sub-top qui pourrait rentrer dans le top, il y a personne qui te vient à l'esprit, au final. Mais j'ai plusieurs noms, genre plusieurs petits noms. Mais pas de certitude, quoi. Genre, pour choisir entre ces noms-là, c'est un peu dur, quoi. Si tu les cites, Devil a l'air d'être un gros bosseur et a l'air propre in-game. Body a l'air calme et propre aussi. Toi, nous pareil. Younes, s'il se calme un peu, peut-être qu'il Younes, il peut. faut vraiment qu'il se calme. S'il arrête de partir dans tous les sens, voilà. Ça s'agit. Mais Il est assez jeune en plus, donc après, c'est. LDLC Blue, bah, ils ont l'air d'avoir montré de très bonnes choses. Malheureusement, je les connais moins parce que j'ai pas fait de match avec eux en équipe de France. J'ai pas vraiment fait de pick-up ou quoi que ce soit avec eux. Mais non, je trouve qu'on a vraiment Peut-être le meilleur un sub-top, sub-top, justement. Ouais. un sub-top propre, quoi. Je trouve qu'on a LDLC Blue et White qui se tirent dessus et qui se poussent vers le haut au final. Et je trouve ça bien, quoi. En tout cas, ça fait Vas-y, plaisir lance-moi. d'entendre un joueur justement du top français parler en bien du sub-top français. Du coup, moi, bah, je propose de continuer avec peut-être deux questions si ça va, c'est pas trop long. Trax, ce que tu peux choisir? Alors, il y avait une question de Stones qui n'a pas de micro, malheureusement. Donc, une petite question encore pour toi, NBK, forcément. Yes. Comme ça fait beaucoup de Major et compagnie, est-ce que tu penses pas qu'un renouvellement du map pool serait approprié? Compétitivement Intéressant parlant. ça. Il pensait Question. notamment à Santorini et Nuke Non, quand ils non, sont non, à mais ça fait ça. Alors Santorini, j'ai pas du tout Non, testé non, la non. map pour l'instant. Mais Ok, du coup, le problème, j'en est-ce que sais c'est rien. pas le fait qu'il y ait des nouvelles maps plutôt que de changer de map? Parce que sur le principe, je pense que changer de map, ça. Faire un roulement dans les maps, je trouve ça Mais. pas trop mauvais. Genre Season, Nuke, Tuscan qui prions peut-être un jour on la verra. Ouais, franchement, un roulement dans les maps, why not, quoi. Moi, j'aime bien jouer des maps différentes, j'aime bien changer les choses, donc
Ouais, why not, quoi. Après, les nouvelles maps, c'est toujours compliqué, quoi. Genre, des Santorini qui arrivent un peu nulle part. Qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Genre, j'ai pas pu jouer la map, on n'a pas le non, temps c'est de s'intéresser, un peu une map de FFA, vu qu'on est totalement dans nos compétitions, on n'a pas le temps, malheureusement, de trop regarder ça, quoi. Donc, oui, pour un renouvellement, un petit roulement, un petit changement, je sais pas, des maps retravaillées, j'en sais rien. Mais, ouais, pour. Voilà, pour. Ok. Merci. Pour résumer la question. Ah, c'est sympa. Bah, moi, je pense qu'on va finir sur ça au niveau des questions. J'ai une dernière question si tu veux. Bah, Pourquoi on n'a pas vas-y. eu la baguette sur ta signature? Bonne question. C'est complètement ma faute, quoi. Alors, ouais, Oh là alors, déjà, là. je blâme Oh là. totalement notre manager qui nous a envoyé. Enfin, on devait en gros envoyer les signatures à Valve par un formulaire. Enfin, la deadline était à minuit le lundi soir, une connerie genre. Bon, je sais plus trop quand. Et Et lui, j'ai il l'a passé envoyé l'info à le lundi, quoi. 23h50 le lundi. Voilà, entre mes mails, ça s'est un peu perdu. J'étais un petit peu, malheureusement, pas attentif. J'ai fait une très grosse erreur. Mais ouais, en gros, c'est Viré. ça, quoi. Mais par contre, non, malheureusement, en gros, il a, enfin, on peut le dire quand même, il avait posté pile poil une minute avant, tu vois. Donc bon, Gros, logiquement, c'était alors, encore bon, quoi. en gros, un peu plus profondément, donc après, je l'ai réécrit au mec, j'ai écrit à Valve. Et apparemment, je sais pas par quel miracle, en gros, j'avais upload sur le workshop ma signature, tout ça. Et bizarrement, ce n'était pas ma signature qui a été retrouvée. Enfin, sur le truc que j'avais upload, c'était pas la signature avec la baguette, malheureusement. D'accord. Donc je sais pas comment, par quel miracle c'est arrivé, mais. Et voilà. Peut-être du Donc, racisme, on ne sait pas. ouais, peut-être que les Donc pour le Italiens prochain utilisent la major, baguette, j'en sais certainement, rien. si tu fais pas Bah, kick, enfin, espérons, je veux quoi. pas. Il y a déjà des infos qui ont diffusé. Mais ouais, non, enfin ouais, Donc c'est espérons, espérons. probable. Bah, on va essayer de tout changer, je pense, la signature Yes. pour la prochaine. Espérons que tout aille bien. Ok. En tout cas, on voulait vous remercier d'avoir passé ce temps avec Vacarme et Gaming Live. Les viewers ont pu poser leurs questions. Vous pouvez, alors là, on va un peu continuer. On va continuer un peu sur Clutch. J'ai parlé un peu des autres équipes sur Clutch. Vous faites comme vous voulez. Vous avez un emploi du temps très chargé. Si vous avez envie de partir, vous partez. Si vous voulez rester pour interagir, il n'y a pas de souci. Faites comme vous le sentez. Du coup, hop là, que je reprends mon papier, c'est ça en fait, je suis en train de faire des trucs, désolé. Donc, j'aimerais parler de Mais du coup, ils s'en vont ou Fnatic. pas? Au revoir? Pas au Non, revoir? je reste. Moi, j'allais dire merci, mais je reste dans le coin, j'écoute. Comme vous voulez. Hein. Vas-y, continue, continue, Bon, continue. je continue. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de Fnatic. La déception. Les stats là, sur moi. Alors, en mai, ils ont 75% de win rate. Juin, donc win rate, pourcentage de Attends, win, tu comptes les matchs pourcentage de win. online? Je compte GhostGamer, ouais, je compte les matchs en ligne. Ok. Juin 83%, juillet 71%, août 87%, mais c'est pas représentatif parce qu'il y a eu très peu de matchs. Et là, septembre 72%, octobre 60%. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de Fnatic? Enfin, la Alors, fin d'une domination, du pour moi, moins. c'est pas, voilà. Découvert. Pour moi, c'est pas la fin de Fnatic parce que ça reste toujours une top 4 mondiale, je pense. Mais c'est la fin de la domination, oui, parce que déjà il y a peut-être pas les. Enfin, les équipes étaient peut-être pas à leur top quand ils étaient en pleine domination. Enfin, à fond, quoi, parce que NG avait changé de joueur, etc. Mais, enfin, pour moi, ça reste toujours une top équipe, moins dominatrice peut-être. Après, je sais pas si, justement, est-ce que là, NBK et NX peuvent pas avoir des infos là-dessus. Est-ce que Pronax peut vraiment s'entraîner totalement vu qu'il a un petit problème à la main? Est-ce que vous savez là-dessus? Moi j'avais déjà pas compris qu'on devait réagir avec vous, mais. Ah non, 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 ah non, non, juste vous êtes toujours là donc j'en profite. Hein, ouais, mais... non, faites comme vous voulez. non, enfin, apparemment Pronax sur Twitter a dit que sa main allait bien, et qu'il Ok. pouvait prac, et que. Non, enfin, je sais pas. Un essoufflement, je pense, en général, de Fnatic. Ouais, je pense que c'est Ok. un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu. Bah, après, c'est dur de rester tout le temps numéro 1 aussi, quoi. Enfin, faut se mettre aussi à la place des équipes. Euh, Complètement. tu, tu, faut que tu renouvelles ton truc. Faut que tu... Parce qu'il y a des équipes qui anti-stratent d'autres équipes. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. Ça bouge pas. Donc, le problème, c'est que, ouais, c'est un petit peu ça. Au bout d'un moment, rester au top, presque toute une année, au final. Ils sont Ça restera le plus très, très long, loin. je pense, le plus long règne, un petit peu. Il y a NIP.
Rien IP, quand même. Non, mais la concurrence n'était pas la même. Hein. Je veux pas. Ouais. Enfin, quand t'avais des Pimp MSL ni le qui jouait la troisième place, c'est pas pareil. Quand Je pense que Fnatic, le run de Fnatic sur toute l'année est plus impressionnant que celui de Pimp. Après, c'est quoi? Est-ce que c'est Fnatic, en gros, qui... Enfin, le jeu de Fnatic qui est compris et qui s'appauvrit, ou c'est plutôt les autres équipes qui montent, enfin. Est-ce que c'est Fnatic qui renouvelle pas, ou c'est les autres équipes qui deviennent meilleures? Ils sont aussi moins chauds, peut-être. Ouais, Fnatic, en général, ont perdu de niveau, quoi. Quand Hall of Meister était à son meilleur niveau, ils étaient intouchables, évidemment. Enfin, intouchables. Ouais, il a pas fait une banane. Mais voilà, ils étaient... Ça, c'était une équipe très forte avec leur meilleur joueur qui cassait tout. JW qui a perdu de niveau, mais considérablement. Enfin, avec son sniper, vraiment, avant, il faisait des trucs que tu comprenais pas et ça allait trop vite. Là, clairement, il a baissé de niveau. Et après, leur jeu général n'a pas trop changé, quoi. C'est la même équipe, ils font les mêmes moves ultra aggro, ils jouent teamplay ensemble. Enfin, il y a c'est Fnatic, quoi. Ils vont pas te sortir des gros CPL, ils vont pas te changer de style de jeu complètement. Et si tu commences à les comprendre, ce qui nous a pris, enfin, ce qui m'a personnellement pris plus d'un an à les comprendre, et enfin réussir à leur mettre des maps, mais une fois que tu commences à comprendre, ben, au final, ça s'applique sur toutes les maps, et tu commences à les battre un peu partout, quoi. Donc, en gros, je pense que quand ils battaient absolument tout le monde, Internet en LAN, après ils ont commencé à perdre contre TSM, et là, ils ont commencé à perdre des LAN contre TSM, donc TSM qui était premier et eux deuxième. Et après, je pense qu'à partir de là, en gros, pas leur confiance s'est estompée, mais ouais, ça a descendu. En tout cas, ça promet du spectacle quand même pour les mois à suivre. Il y a une autre équipe montante d'ailleurs, c'est justement, comme tu l'as dit, TSM qui était classée comme la meilleure équipe du monde. Est-ce que vous pensez que Guret Pardon, j'ai pas entendu la fin de la coupe. Est-ce que ça va durer TSM au top comme ça? Pour moi, ils sont. Enfin. Ouais, comment dire. Ils ont une période, oui, mais ils n'ont pas confirmé. Enfin, on les attendait au Major, ils ont choc contre NiP. Ouais, TSM pour moi, c'est un peu un point d'interrogation, quoi. Enfin, bon, nous, déjà, en équipe, on a cet avantage que pour l'instant, en LAN, avec cette nouvelle line-up, on a beaucoup de succès contre eux. Et derrière. Ouais, c'est pas. Enfin, TSM, ça a été une domination, mais sur Internet, quoi. Enfin, ils ont. Évidemment, ils ont fait des bonnes LAN et ils ont fait des top 1. Et ils ont dû gagner, ouais, Face It et pas. Mais. Genre, ils ont pas enchaîné 5 LAN de suite en gagnant. Ils ont fait une streak de 25 maps. Bravo, il y en avait 22 sur Internet. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, c'est sûr que c'est un petit achievement, quoi, mais c'est pas. C'est pas gagner 6 LAN de suite, quoi. Contre les meilleures équipes du monde, donc. Ouais. Moi je suis pas dans la hype TSM, quoi. Je les trouve pas ultra incroyables comme ce que les gens peuvent dire. C'est un peu une solide équipe, mais voilà. Je vais peut-être faire un parallèle, mais j'ai envie de faire le parallèle avec Cloud9. Il y a quelques mois d'ailleurs, pendant le SWC d'ailleurs, le SWC qu'ils ont gagné, si mes souvenirs sont bons. Ils ont fait plusieurs finales, c'est ça. Je croyais qu'ils avaient gagné, autant pour moi. Ils ont fait finale SLIC Pro League, perdent contre Fnatic, et après ils perdent en finale de l'SWC. Mais après, voilà, justement, pour moi c'est pas comparable dans le sens où, en vrai, ils ont battu 3 fois Envious, donc une fois en BO1 et une fois en BO3. Tu parles de Envious de Cloud9. Ouais. Et c'est tout. Enfin, ils ont profité du fait qu'NVS était en train de split, plus ou moins, que deux joueurs étaient en train de partir, et que c'était pas vraiment le top, pour avoir de bons résultats. Mais globalement, enfin, il y a eu un petit pic à un moment, mais enfin, il n'y a pas eu de confirmation, quoi. Ça s'est arrêté direct. Ouais, Cloud9, je pense qu'ils ont beaucoup surfé sur la vague de nous avoir battus 3 fois, alors qu'on était une équipe en demi-teinte à ce moment-là, quoi. Alors après, ils étaient individuellement très forts, Skadoodle était excellent. Skadoodle hyper chaud. Skadoodle était excellent, Freakazoid faisait bien son rôle. Yep. Et... Shroud mettait des petites têtes. Et Nothing était très fort aussi à ce moment-là.
Et ouais, ils ont eu leur période d'un mois, mais ouais, encore une fois, enfin, pas l'image de TSM, parce que TSM toute l'année ils ont encore fait des résultats corrects, enfin des bons résultats, mais Mais Cloud9, ouais, enfin décevant quoi, décevant de les voir bons et en un mois de tout perdre quoi, enfin de perdre tout leur monde ah. quoi, c'est un peu. On en Après, parlait là, avec. ils ont une poule compliquée, je crois. Bon. Là, ils avaient une poule compliquée. Là oui, Ils ont joué Fnatic. dernier major ils perdent Gamers 2, online ils perdent je sais pas combien de matchs, en Amérique t'as des Liquid qui sont. T'as des Liquid qui sont meilleurs, Est-ce enfin qu'ils sont en train de voilà monter? quoi. Et c'est vrai que là j'ai regardé et ils perdent contre Luminosity pour les matchs de LAN. T'as des joueurs comme Shroud qui choquent à chaque match important. Hormis donc dans la période hype, le mec ne passe pas de. Enfin, moi de ce que je vois, le mec ne passe pas de palier, n'arrive pas à tenir son rôle d'IM Star un petit peu, de mec qui doit faire la diff. Pareil, Nothing est très moyen en général. Et enfin, c'est quand on regarde comme ça là, il y a vraiment que Skadoodle qui peut faire un truc à un moment, mais sinon ça reste moyen, je trouve. C'est pas vraiment le All-Star nord-américain, quoi, de mon point de vue. On en parlait d'ailleurs avec Ouais. Anto il y a quelques jours. Bah, au Oula. final, non, mais je trouve quand même que Cloud9 a pas beaucoup de jeux au final. Ça a eu peut-être des éclats de skill, j'ai envie de vous dire. Mais le jeu au final, il est pas là, il est pas présent. Et quand tu tombes contre des Fnatic, des NIP, des Envious, bah derrière, il n'y a pas le choix, il faut gagner. Il faut avoir du jeu. Pas sûr que les NIP sont ceux qui ont le plus de jeux non plus. Hein. Ouais, mais bon, enfin, y a plus ce côté expérience C'est et ça. adaptabilité à chaque situation, à chaque map, et être capable de le reproduire event après event, quoi. Cloud9, on est sur un mois, quoi. Trois events, et après, ça s'est estompé, quoi. Donc, Du coup, c'était un c'est une peu bonne le. équipe, mais il leur manque ce petit truc de sur la longueur, quoi. Du coup, bah, pour vous, c'est pas la meilleure équipe américaine, comme on pouvait le dire il y a quelques mois. C'est tendu, Bah, quoi. ça dépend si on compte Luminosity en Ouais, américain c'est ça déjà. quoi. Ouais. Si tu comptes, bah ouais, si tu comptes Luminosity, pour moi Luminosity c'est la meilleure équipe de la région en tout cas là-bas. Et Et après, Liquid est en train de monter et Liquid, ouais, Liquid Liquid sont en train de sont, monter, je trouve. Liquid, ouais, on sont clairement en train de ils sont monter. CLG sortis. pas mauvais. Après Ils ont CLG, du coup la line-up CLG quoi, c'est. pour moi CLG c'est une bonne équipe, une équipe quoi. Il n'y a pas un mec vraiment qui se détache, mais j'ai Ouais, pas c'est ça. l'impression que ça pourra passer un palier de plus quoi. Ouais, c'est ça, ouais, mais pour moi ça reste genre Luminosity first et de 2 à 4 t'as Cloud9, Yep. Après Liquid Liquid et est CLG. vraiment pas ridicule où ils perdent en overtime contre VP Ouais. sur Keuvel et après ils perdent 16-11 contre NiP quoi. Où ils arrivent, je crois qu'ils étaient Yes. en 11-11 et ils choquent un petit peu où NiP se réveille. Ouais, mais Liquid de toute façon depuis que Ico est arrivé, Yep. bon quoi, bonne équipe, solide équipe. D'ailleurs, on va un peu basculer sur, je veux dire, un sujet qui fâche, ou du moins un sujet qui fait débat, Se frotte les Titan. mains. Titan. Titan qui n'a encore une fois pas passé les poules. Quel est le problème? On voit Allez, pas ça avait mal de bien commencé quand même. personnes. Le tag. Il a bien commencé. Donc juste avant, Il ouais, est petite stat, maudit. Next a dit quelque chose. Le Donc tag. on se rappelle de Very Games, donc premier major en novembre 2013. Very Games fait demi-finale. Donc vous perdez contre NiP, d'ailleurs en attente y était. Juste après, ils passent chez Titan. Et depuis, ils n'ont pas passé une seule fois les poules d'un major. 5 fois échec en Trop. poule et une fois écarté la veille du major pour le ban de notre ami Ovik Kali, n'est-ce pas? Et du coup, Titan n'a jamais passé les poules d'un major. Voilà, c'était une stat apparemment Trop. qui voulait Ouais, s'envoyer. merci. Est-ce que si on t'avait dit ça, genre janvier 2014, tu aurais cru? Nathan. Non, C'est bah non, incroyable. surtout que Enfin, je j'étais sais encore dans pas. l'équipe, donc j'aurais bien aimé que ce soit pareil, quoi. Mais Ouais, du coup, là, donc vous les avez vus, vous les avez suivis. Là, pour le week-end, typiquement, là, on va parler de ce week-end-là. Ouais. Qu'est-ce que. Enfin, ça a l'air d'aller pourtant, enfin, ça tient la route sur le Bah papier. ouais, honnêtement, je les voyais passer les poules, quoi. Je Bah. les voyais pas mauvais, quoi. Genre, ils Si avaient on montré des bonnes choses sur Internet, c'était cool, quoi. fait le fil, en fait,
Bah, ils tombent contre VP, c'était compliqué. Enfin, d'abord, ils ont battu une NiP, c'était plutôt pas mal. Ouais, il est défense, même s'il fait le deuxième side, mais clairement, ouais. Le premier side, il est. Mais ils sont à 3, ils, 12, à 14-13, ils perdent un 2v4 bon, un 4v2 bon posé, enfin, le truc imperdable, quoi. Ouais, mais ils se sont mis à 15 assez vite, je pense. Enfin, c'était pas pire que le lendemain où ils se font remonter sur cash, quoi. Mais. Ouais, moi je parlais de cash, pardon. Honnêtement, c'est... enfin, déjà, la première chose que moi je comprends pas, c'est le map pick contre VP. Ouais, train, c'est dingue. Train contre VP, honnêtement, j'ai pas trop compris. Deuxième problème, je trouve que Titan a un problème de map pool, quoi. Ils ont un manque de profondeur dans leur map pool. Et ouais, ils arrivent pas prêt à un event, quoi. Et même s'ils se disent parfois prêts sur une map, enfin, même s'ils sont pas prêts sur une map, ils ont pas cette mentalité de, allez, on a 2-3 trucs, 2-3 petits principes, et après on leur met des headshots et tout, et on peut le faire et on les défonce, quoi. J'ai l'impression qu'il manque cette petite profondeur, quoi. Cette petite confiance, peut-être, je sais pas. Et après, évidemment, Cash contre Nip qui. Et eh ben, pour moi, cette map, ça m'a rappelé les VG Titan Nip, enfin, surtout VG Nip de l'époque, où vous aviez le match en main, enfin, il vous reste un round ou deux à mettre, et ça vient pas, quoi. Pour moi, c'était pareil, quoi. Ouais, j'ai pas regardé le match exactement, donc ça. Je sais pas exactement les situations. Non, mais genre, où, ce qu'on me décrit, où t'as des rounds pour accrocher le draw, enfin, l'overtime, ouais. Et tu perds des 4v2 bombes posées, sur un PP, enfin, c'est des choses. Exactement. Ah ouais, ça nous arrivait souvent au début, on avait cette petite excitation de trop peut-être, genre si t'es un 3v3 sur un GR et que par exemple tu te donnes parce que tu prends les infos ou quoi et que tu prends un shot et que ça te fait perdre le round, c'est ce genre de petits trucs, qui font perdre des games. Et... Bah, pour info sur place, Miak devait revenir nous voir pour en rediscuter et puis finalement il n'est pas revenu parce qu'ils n'avaient pas trop la tête à ça. Mais ce qu'il nous a dit, globalement, là, ce qui a pêché clairement pour lui, d'un point de vue extérieur, c'était qu'ils ont été incapables, comme tu le disais un peu, de gérer des situations de clutch qui étaient pourtant gagnées. Ils prenaient pas les bonnes lignes, ils parlaient plus. Dès que c'était un clutch, ils étaient tétanisés, ils ne parlaient plus entre eux. Enfin, mais, typiquement. Enfin, je comprends que tu me dis ça, mais juste écoutez, Existence, RPK, Smith, Shox, Scream. Ouais, c'est pas dur d'y possible. Croire avec ces joueurs, quoi. C'est pas possible. C'est la peur de gagner, je pense. Ils sont tellement dans une spirale de confiance là que. Ouais. Je pense qu'au début il se lâche et à la fin il veut trop bien faire pour finaliser. Ça doit pêcher à ce moment-là, je sais pas. Vous me dites la peur de gagner. Quand ils sont arrivés, Shox et Smith, ils étaient là, ouais, eux ils savent comment gagner, machin. Et au final, enfin, ça marche pas. Ça fait deux majors d'affilée. Le premier, je comprends bien, il y a eu le changement, etc. Mais là, enfin, t'as les cartes en main et non, tu. Bon, après, on parle pas de D2 où ils prennent 16-1 contre Nip. Parce que bon, ils perdent de justesse sur cash. Enfin. C'est même, enfin, ils ont pas la force mentale même de dire bon ok les gars on se remet à zéro comme ben Envy a fait en quart et en demi quoi. Enfin c'est, je sais pas. Après, c'est dur d'en parler de l'extérieur quoi. Ouais voilà ouais, ce que je veux dire. Complètement mais et... on peut en parler que comme ça c'est le. Ouais. Non. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est dur de, enfin ayant joué avec Exy et tout je sais que, enfin, c'est pas quelqu'un qui de base se met au fond quoi donc. Yep. Je sais pas trop. Et du coup, cette line-up actuelle, est-ce qu'elle a de l'avenir selon vous ou ils vont pas dire non, ils vont pas dire non. Non mais non, de l'avenir dans évidemment. Le sens, est-ce que il y a un potentiel derrière à bien exploiter et qu'on peut gagner un major, enfin que Titan puisse gagner un major. Sur le papier, c'est beau. Sur le papier, ça a de la gueule quoi. Sur le papier, ils ont pas, enfin. Allez, en prenant les stats de CSGO actuels et remettant les choses dans le contexte, ils ont une équipe à une équipe à top 6-8 déjà. Genre c'est propre, mais c'est pas, enfin ils peuvent faire des gros, enfin sur une bonne forme ils peuvent faire des bonnes trucs, ils peuvent gagner des LAN et tout. Mais c'est par exemple, enfin comparé à pas à VP plus ou moins, mais c'est le genre d'équipe s'ils vont arriver sur les maps qu'ils ont préparées avec leur style de jeu qu'ils ont préparé. Ils vont surprendre, ils vont être forts, ils vont avoir la confiance, ils vont mettre des maps sèches. Mais si par exemple ils n'arrivent pas à arriver bien préparés, s'ils n'arrivent pas à se mettre dans le bain direct et s'ils sont bousculés, c'est une équipe qui peut assez vite tomber quoi. Bah, c'est un peu ce qui se passe sur internet hein, quand on voit leurs résultats. Ouais, c'est ça quoi. Et donc au final, ils ont plus ou moins ce qu'il faut quoi. Ils ont Eddy qui va être la base de l'équipe, qui va être un peu solide et pouvoir un peu tout faire.
Exy est un peu dans ce même rôle. Cédric, RPK, pardon, j'ai utilisé le pseudo. RPK qui va être le mec solide que tu vas envoyer pour trade un pour un ou pour envoyer en deuxième ou troisième rideau. Et Scream qui peut ajouter ce grain de folie et ces headshots qui parfois il faut juste des headshots quoi. Et bah, là par exemple, donc, tu regardes contre Nip sur Cash. Enfin, t'as Shox et RPK, ils font plus de 30 frags chacun, tu vois. Et avec ça, tu gagnes quand même pas. Enfin, c'est. Je sais pas, à un moment, moi j'en viens à dire, mais y a pas de solution. Ça, c'est... Avec Titan, c'est la même chose. Depuis 2 ans, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. C'est... Là, tu reprends Scream à la place de Manier, tu te dis, ouais, il va apporter du ski, il va apporter du truc. Au final, c'est pas. C'est peut-être trop tôt, enfin, je sais pas, c'est pas non plus. Je sais pas, moi franchement je ne sais plus quoi dire. Peut-être qu'ils prennent pas le problème dans le bon sens. Peut-être que c'est, tu vois, aussi une manière d'aborder les choses qui est. Enfin, aussi, peut-être que simplement ils se mettent beaucoup de pression. Je sais pas. Mais oui. Tu vois, c'est dur d'être entre guillemets des joueurs de haut niveau ou d'avoir été des joueurs de haut niveau, enfin, tu vois, d'avoir été les meilleurs. Et là, au final, à chaque grosse marche, au final, de rater la marche et de tomber, quoi. Tu commences à la monter, tu vois, et tu trébuches et tu tombes. Donc. Mais après, tu me dis ça, mais ça fait 2 ans que c'est comme ça. Niak et Exy, qui sont là depuis les 2 ans, ils ont de l'expérience et tout, ils doivent savoir quels sont les problèmes depuis. Après, ils ont. Alors après, c'est peut-être plus les leaders de la CNFR, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent plus faire ça comme ils ont fait avant, mais. Je sais pas comment expliquer ça, moi d'un point de vue extérieur, comme tu me dis, oui, ils ont de l'expérience, etc., mais ils ont de l'expérience en tant que gagnant. Enfin, en tant que numéro 1, ils ont pas, enfin, ou numéro 1, ou top 2, ou tu vois, enfin, ils ont plus, on va dire, peut-être l'habitude d'être les outsiders qu'ils ont peut-être été à un moment donné, ou qu'ils ont peut-être jamais été non plus. Il faut, t'abordes pas les événements de la même manière, peut-être, tu vois, et ça, ils ont peut-être pas l'habitude, ou plus l'habitude, du moins, de le faire, et même si ça fait 2 ans, tu sais, tu tournes en haut au bout d'un moment. Et justement, ce qu'il faut dire, c'est peut-être le moment d'en parler, vu que Dorian l'a souligné dans le chat du Mumble. Donc, depuis 2 ans, il y a eu, je sais pas, une dizaine de joueurs dans l'équipe. Un seul n'a jamais changé, Existence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas se poser la question, est-ce que c'est pas lui le problème? Est-ce que son lead est encore adapté? Est-ce qu'il utilise bien les joueurs qu'il a? Parce que c'est des bêtes de skill. Ça, je vais laisser ça pour le moment, parce que, enfin, moi, d'un point de vue. S'il y a des joueurs qui veulent en parler, notamment Dorian, on va peut-être te démuter. Oh non, non, le démutez pas, s'il vous plaît. Non, on veut pas trop le démuter. Est-ce qu'il y en a qui veulent justement parler de ça? Est-ce qu'il y en a qui. Existent, je verrais bien chez Wiggle Game. Eh bien, pourquoi pas? Mais il y a Scara, donc il ne peut pas prendre la place d'Oscar. Enfin, au bout d'un moment, après, moi, je l'aime beaucoup, ça peut plus être un hasard. Enfin, je sais pas, vraiment. Je pense que Exil lui-même s'est posé la question, pour être honnête, parce que c'est quelqu'un de très critique et qui sait se remettre en question, tout simplement, qui sait d'où venir le problème. Mais, ouais, enfin, Exil, en tout cas, quand moi j'étais parti de Titan, c'était longtemps, c'était il y a 2 ans. Non, il y a 2. Attends, non, c'était 1 an. Il y a un an. Ou dernier. Il y a un an. Ça passe vite, ça existe. Bah, moi, j'avais. Je commençais à avoir des. Je trouve plus le mot en français, désolé. J'étais moins d'accord avec lui sur le style de jeu, en gros. Sur le style de jeu général et comment aborder le jeu en voyant des Nip et des Fnatic. Fnatic pas encore, mais les Nip qui imposaient leur style de jeu et qui étaient pas libre, mais qui était plus teamplay de base, quoi. Un jeu like RL, oui. Et ouais, après, j'en sais un jeu. Non, je rigole. Enfin, je voulais. Ouais. Non, c'est que je. Et. Ouais, je sais pas. Et enfin, là... Après, ils ont adapté. Après, le truc, c'est qu'ils ont. Enfin, oui, voilà, c'est ce que j'avais compris. Comprendre, oui. Existe sur la meilleure question. Il s'est adapté avec Kenny et Dan. Mais voilà, le truc, par contre, qui est récurrent depuis un an. C'est que c'est les mêmes scénarios, plus ou moins. Genre, ils arrivent à battre des équipes périodiquement, enfin des grosses équipes périodiquement, mais il n'y a pas cette domination, quoi. Genre, cette stabilité où sur chaque match, tu vas dire, genre par exemple,
Ouais, cette équipe, ils vont les battre, cette équipe, ils vont mettre au moins 10 runes, et s'ils sont dans un bon jour, ils vont en gagner. Enfin, je sais pas, ouais, il leur manque ce petit extra, quoi, et je sais pas d'où. Enfin, c'est que par exemple, que tu l'as dit comme sur Cash, quand ils ont joué au Major, ils avaient bah, deux joueurs qui étaient fous sur le match, Yep. et il leur manquait par exemple le troisième qui mettait le petit truc en plus, quoi. Yep. Et j'ai l'impression qu'à chaque match depuis un an, il leur manque un truc, quoi. Genre, il leur manque le petit truc. Est-ce que tu penses d'ailleurs que ce petit truc, ça va un jour se faire? Enfin, il va y avoir un déclic et ils vont tout raser sur leur chemin Bah, ou... c'est une question de constance, quoi. Genre, c'est une question de constance individuellement des joueurs, je pense. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un joueur qui. Enfin, chaque joueur doit avoir, comment dire, un niveau de base auquel il doit se tenir et auquel tu sais que si par exemple ça vient en A sur un BP, il va faire au moins 2 kills, j'en sais rien. Mais tu vois, enfin, tu dois pouvoir t'appuyer sur une base dans une équipe de frags et de rôles remplis, quoi. Et j'ai l'impression que chez Titan, ben, parfois cette base enfin, cette base est très penchée, quoi. Genre, parfois ça va, Mais sur un t'as BP ça va RPK à faire peu des kills, près parfois qui ça ne va gère ramper, pas. etc., quoi. Donc c'est des problèmes qui sont très différents, quoi. T'as l'impression qu'à chaque round perdu, il se passe un truc, enfin, bizarre, qui devrait pas arriver. Bah tu Oui, j'ai l'impression que c'est l'entends, hein. récurrent, quoi. Quand tu les entends se call en début de round devant eux, là, je pense que ce que tu disais, Xy, c'est tellement remis en question, je pense, avec voulant adopter un nouveau jeu à la NiP avec d'abord Dan et Kenny, puis ensuite Shox et Smith. Que peut-être que maintenant il sait plus tellement comment call, comment lead, et il s'appuie trop sur des idées à droite de Shox, puis après Smith qui veut call un truc, puis machin, et puis tous les rounds ils font un truc un peu différent. Honnêtement, j'en sais rien parce que j'ai pas écouté Exilid. Je suis Je... désolé, hein, je peux pas trop. Enfin, Non c'est mais un c'est peu dur, ouais, non mais c'est l'impression que ça me donnait moi quand je les entendais jouer là, mais c'était. bah, ils ont en gros. Enfin, j'ai bien aimé l'idée de comment ils ont amené leur jeu maintenant avec l'équipe qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont leur trinôme d'attaque. T'as Richard qui fait plus ou moins ce qu'il veut de son côté. Pardon, Shox qui fait plus ou moins ce qu'il veut de son côté. Et genre, Shox a l'expérience donc il sait comment attaquer les zones. Enfin, Mais il a comment bien ouvert attaquer les contre zones. NiP notamment. Et genre, ils vont jouer en fonction de ça, quoi. Genre, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'ils font bien, c'est une force qu'ils ont dans leur jeu. Et que c'est plus ou moins une constance, quoi, parce que Richard arrive à exploiter son côté et à jouer dessus. Mais le truc, c'est que j'ai pas l'impression que, par exemple, le trio d'attaque et cette constance, tu vois, par exemple, de remplir leur rôle à chaque fois, quoi. Et que ce soit niveau skill, que ce soit niveau adaptation à l'équipe, que ce soit niveau prise de zone, bien ou mal faite, stuff, choix d'achat, etc., quoi. En gros, ils arrivent à rentrer, mais Donc, ils arrivent pas ouais, bah, à malheureusement, terminer. j'ai l'impression que c'est un peu ça avec Titan, quoi. Genre, Comme les ils ont pick-up des à bonnes carte. idées. Hein. Ils ont des bonnes idées, ils arrivent à. Il y a l'idée globale, mais il y a des imperfections, quoi, genre à l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est récurrent depuis un an, quoi. Et Et c'est vrai donc, que pour vas-y, revenir excuse-moi. sur ce que disait Scrat, on en a parlé tout à l'heure, j'en parlais justement sur une bulle privée de Vacarme avec le staff Arcarme. C'est vrai que d'ailleurs c'était Happy qui avait fait la remarque après avoir vu les VOD de Titan en train de jouer. Ben, Existence après qui avait un bon, voilà, je recommence du début. Alors Existence qui avait un lead qui était jugé un peu trop, on va dire strict, un peu old school. Avec un peu un existence qui va un peu tout gérer, ça marchait plus vraiment. Il a voulu essayer de changer de style et du coup, on est tombé dans quelque chose un peu bizarre, un peu mi-libre, Oui, c'est ce qu'il a dit mi-obligatoire et tout à l'heure c'était un peu avec n'importe quoi. Kenny et Apex. Ouais. Ouais, Ouais, bah voilà. c'est ça. Et ça a continué depuis avec bah, Shox et Smith. Et j'ai l'impression que le lead in game existence, bah ça marche plus. Bah à ce moment-là, vous avez justement affronté une équipe qui s'appelle Navi et qui a un leader En en dehors effet. du jeu. Est-ce que ils peuvent pas penser à quelque chose comme ça, par exemple? Parce que là, si on en vient à dire un jeu Bah. libre, c'est Shox qui décide, etc. Est-ce que Exi justement c'est pas mieux qu'il laisse sa place en tant que joueur et puisse Ah bah. contrôler de l'extérieur Le s'il truc peut pas avec apporter Exi. les frags. Bah, le truc avec Exi, c'est que justement, il a été top fragger de son équipe Ouais, là pendant pendant deux 3 mois, mois, un quoi. mois, ouais, un mois, Ouais, deux mois, t'es à fond, pendant ouais. 3 mois, je sais pas quoi. Yes. Mais Exi n'est pas mauvais, quoi, en soi. Genre, pour moi, c'est pas son côté joueur qui pêche, quoi.
C'est juste que Exi, en gros, quand son équipe va pas top, enfin, quand il y a des imperfections dans son équipe, c'est quelqu'un qui va se pencher beaucoup plus dessus, et donc qui va mettre son niveau de jeu individuel sur le côté. Même si, pour moi, c'est pas la bonne vision de le faire. C'est quelque chose... Enfin, Exi a réagi comme ça, en tout cas. Et c'est pas spécialement, enfin, c'est plutôt ce côté, ouais, ce côté gameplay, méta, et mettre toute son équipe sur la même page, qui va plus pêcher, quoi. Donc pour moi, c'est pas une solution qui passe coach et élite de derrière, quoi. Parce qu'en tant que joueur, Exi est encore un très bon joueur. Ok. Bon, on va enchaîner sur le prochain sujet. On a eu quand même une équipe en demi-mesure, NIP qui a eu du mal pendant déjà la première phase de poule, qui perd une game, et qu'au final, quand même, contre Titan d'ailleurs, il y avait l'interview de Smith qui avait fait Scratch. On entendait bien Smith dire NIP ne font pas peur, on s'inquiète plus de, je crois que c'était Liquid qui était dans leur team. De leur pool. Au final, ils font pas un mauvais major, ils arrivent. Ils font un super major comparé à ce qui était attendu. Par rapport à ce qui était attendu, ils font quoi ils arrivent quoi, demi-finale? Ils font demi-finale, oui. Ouais. C'est ça. Ouais. Oh, mais NIP. C'est les écrans ISO, quoi. Non, mais c'est vrai que le truc qui fait que c'est un bon major, c'est pas qu'ils battent Titan, c'est qu'ils battent TSM. C'est en plus de 0, 7-10, 16-8, enfin, c'est strict, c'est direct. Tu te dis. Après, c'est vrai qu'ils ont ils se matchent bien les deux. Enfin, je pense que NIP a le jeu pour emmerder TSM et ça clairement. A marché parfaitement. Quoi. Clairement, NIP ont le jeu casse-couille que contre TSM et contre nous. Et après, quand ils équipent contre Navi, ils galèrent. Quoi. Même Fnatic, ils sont stomp ou VP aussi. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'est juste que, ouais, NIP, c'est NIP, quoi. C'est des joueurs, c'est des tarés dans leur tête, quoi. Si tu comprends pas, c'est devenu un point où, limite, c'est un mix qui arrive. On a... Même Freiberg, il faisait des frags à un moment. Bah, Freiberg a fait un énorme... J'ai pas un beau major, quoi. Contre TSM, il a fait un énorme match, Freiberg. Ouais, c'est NIP, quoi. C'est NIP, honnêtement, je les comprends pas, quoi. C'est des mecs qui sont à part, quoi. Et justement, pour compenser, juste après, contre Navi, ils prennent 16-3, 16-6. Voilà. Oui. C'est aussi NIP, du coup. C'est aussi NIP contre une équipe Navi que... le truc, je pense, avec Navi, c'est que c'est des joueurs qui se connaissent depuis 10 ans, quoi. Genre Zeus, Edward... Size, machin. Et je pense qu'ils ont plus cette... Comment dire ? Genre, c'est un match qu'ils abordent plus normalement pour eux. Genre, pas en statut d'underdog ou pas en statut de favori. Et qu'au final, ben, ils font pas des trucs de ouf dans la game. Ils vont pas courir partout, ils vont pas sortir dans les smokes, sur stuff, etc. Et surtout contre Navi, qui est une équipe très passive et qui va attendre justement, enfin, qui adore ce genre d'erreur, quoi, au final. Enfin, ce genre d'erreur surprise, quoi. Et donc, c'est pour ça, pour moi, que Fnatic les a massacrés. Quoi. Et ils ont un trio, Sides, Guardian, Flammy. Ouais. C'est difficile de faire mieux. Enfin, il y a mieux, mais c'est quand même vachement fort, quoi. Ah oui, c'est un bon trio. Après, je trouve que c'est un trio inconstant, malheureusement. Ouais. Hormis Guardian, je pense qu'il y a assez... Ça passe ou ça casse, quoi. Mais oui, pour moi, Navi est une équipe solide, quoi. Genre, encore une fois, ils pêchent un peu sur le côté... Sur le côté stratégique, je pense, parce qu'ils ont un style de jeu pas très carré, mais assez prévisible. Mais oui, Navi est une équipe solide. Et du coup, pour revenir un peu sur NIP, il y avait des rumeurs avec GetRight qui partait chez Cloud9. Alors, ouais. JW avait posté un tweet, je sais pas si vous l'avez vu. Non, c'est du quoi... troll ça. Oui, non, mais c'est du troll, mais c'est du troll qui part de rumeurs, disons. Bah, en disant, tiens, t'as oublié quelque chose. Scrat a eu des infos, il peut en parler. Non, bah, ce qui circulait sur place, notamment auprès de certains casters, c'est que va sûrement y avoir un petit boom sur la scène suédoise qui impliquerait. Sûrement, enfin, pratiquement certainement NIP, peut-être certains joueurs G2, voire même jusqu'à Fnatic, et ensuite au niveau des structures, ça sera un peu le chaos. Enfin bon, tout ça, des rumeurs, de toute façon, des shuffles comme ça, il y en a eu des tonnes, mais. Après, bon. C'était les rumeurs avant qu'ils fassent une demi-finale, peut-être aussi. Ouais, mais je pense que. Bon, après, le problème a l'air plus profond, c'est certain. Non, mais c'est réglé depuis longtemps, à mon avis. Ah, petite intervention de Dorian. Ouais, Dorian arrive, Dorian le sauveur. Vas-y, t'allais dire quoi, vas-y. Ah, mais c'est réglé depuis un moment, hein, je pense. Et non, là, mais... je sais pas si on a vu les problèmes d'argent, de finances un peu de NIP, yes. À mon avis, c'est réglé, quoi. Alors, là, ils attendent juste que tout se règle et qu'ils reçoivent leur argent, et après, bye bye, quoi, genre.
apparemment, si ça s'est pas fait avant le Major, c'est que Forest avait essayé de jouer un peu avec les G2, ça lui avait pas plu, et il avait décidé de rester encore un peu avec NIP. Parce qu'à l'origine, Forest et Xyst devaient rejoindre certains joueurs G2. Et ça, mais à pas la place fait, de Scream et Fox, ouais. Enfin, ce qu'on vous avait dit dans une news. Et du coup, ouais, ça s'était pas fait, et c'est vrai que là, il y a des petits problèmes financiers côté de NIP, où ils donneraient pas les cash prizes, il y aurait des histoires. De toute façon, NIP, c'est vrai que c'est une structure un petit peu... Enfin, plus le temps passe, plus il y a des choses qui s'accumulent, donc je sais pas trop le vrai du faux, etc. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui traînent autour de... Ah de... non, là, il y a pas de fumée sans feu, clairement. Oui, 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 carrément. Et ouais, du coup, donc ça serait... la structure ne donnerait pas le cash prize, garderait... Enfin, ne distribuerait pas le cash prize et l'argent des stickers, et etc. Enfin, en gros, chaque joueur, chaque NIP, bon, selon les infos, on va dire, de Richard Lewis, qui est toujours plus ou moins bien au courant de ces choses-là, quoi. Genre, NIP devrait à chacun de ses joueurs près de 40 000 dollars, quoi. Même Fif Larraine, qui a quitté la lineup il y a un an, quoi, a toujours des trucs en attente. Donc, on va dire qu'il y a un gros choc entre le management de NIP et les joueurs eux-mêmes. Je pense que ça a bien clash, quoi. Et à mon avis, là, bon, leur contrat, ça va être fini. Ils restent pour régler les problèmes d'argent et recevoir leur argent au cas où s'il y a un procès ou des trucs comme ça, quoi. Mais derrière, à mon avis, c'est terminé. Et puis, on voit bien Xyst et tout qui en joue beaucoup sur Twitter en mode, voilà, on est en mix, on s'en fout total. Et je pense pas que la demi, en plus, ils se rendent bien compte que la demi, bon, ils battent des TSM qui, voilà, donc ça reste une grosse performance, mais au final, c'est des TSM qui choquent, qui a historiquement toujours choqué contre NIP. Je pense vraiment, je vois vraiment ça comme un one shot, voilà, quoi. Il y a Getright, il a fait son numéro, Freiberg aussi. Mais derrière, contre une vraie équipe, ils se sont fait éclater, quoi, tu vois. Donc, pour moi, la demi-finale, c'est pas non plus une grosse, c'est pas une énorme performance de la part de NIP, quoi. Dans ce contexte, quoi. Mais en parlant de rumeurs aussi, on a eu des retours de la Paris Games Week. C'est juste des rumeurs, hein, y a rien de confirmé. Et il y aurait certains joueurs titans qui ne seraient plus satisfaits de ce qui se passe dans l'équipe. Voilà, juste pour information. Le missile est lancé par Nel, merci. Et il y aurait trois joueurs qui seraient pas satisfaits de ce qui se passe. Donc, qui sait, peut-être un nouveau shuffle, on ne sait non, pas. Non, mais ça aussi, enfin, je veux dire, c'est des trucs, c'est public aussi, hein, quand il y a Shox qui joue un match en Roumanie à 18h et le lendemain il est à 9h30 à la Paris Games Week, c'est qu'il y a un petit problème, quoi, genre. Ouais, ça c'est encore différent, mais bon. Mais par contre, donc on voit bien que Dorian est au cœur de l'action, hein, il est encore d'ailleurs dans les locaux de la PGW, vous entendez le micro. Mais voilà, après, ça c'est encore un autre. Enfin. Le fait qu'il soit à la pêche du bleu, c'est pas du... Enfin, à la base, mais c'est pas censé... Être... Ouais, mais enfin, c'est... Peut-être qu'il avait booké son encore avion déjà, quoi. Non, c'est du... c'est du plus, on va dire, plus perso, tu vois. C'est... Ça avait rien... En tout cas, peut-être qu'il voulait tester ça a changé. Le nouveau Call of Duty. Putain, merde. Comment tu sais? Non, mais c'est... On va dire que c'est... À la base... Si, même si s'est passé quelque chose après, on sait pas, etc., que t'as des infos qu'on peut pas dire ou qu'on sait pas ou quoi que ce soit, à la toute base, la PGW, c'était pas du pro, si je peux dire. Non, non, c'est sûr, c'était pas quelque chose d'officiel. Après, il y a peut-être des, on va dire, des petites fuites ou des petites rumeurs, mais bon, c'est des rumeurs, mais c'est voilà, c'est ça, c'est, on ah, va voir va ce qu'on nous propose. Enfin, le... C'est assez évident. White and see, comme on dit quand même. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Il y a des rumeurs qui étaient là et qui ont marché, on peut dire, on peut parler encore d'Envious, bah, la dernière line-up, on a vu la rumeur, et d'autres, comme NIP, qui sont... Puis il y a des joueurs Envious qui ne seraient pas satisfaits de leur manager parce qu'il n'enverrait pas les bonnes signatures, il y a des histoires comme alors ça. Il n'envoie pas les signatures, il fait qu'un seul plat, il fait juste des pâtes carambées. Il prend des maisons sans la fibre. Non, la maison, la fibre, c'est vraiment pas d'affaire. Des pâtes carambées, ok, hein, bon. Et n'oubliez pas demain sur Twitter, n'oubliez pas de follow Next, et non pas Niac, pardon. Putain, ça y est. il va montrer ses cheveux bleus demain. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Arrobas Titan Next, non, Envy Next, pardon. Ouh là là. On ne peut pas tease. Mais mes cheveux bleus demain. Je devais les faire aujourd'hui et j'ai pas acheté la bonne couleur. Donc, vous prenez tous la même couleur. Vous, plus ou moins, enfin, bleu, on va dire, c'est du bleu clair. Quoi. Voilà, la prochaine fois, vous mettez Men in Black en hashtag, au moins, c'est moins chiant, quoi. Niveau de la couleur. C'est vrai que Boys in Blue, bon, putain, c'est un peu. Non, mais bon, c'est marrant, c'est fun. Au moins, on a... enfin, c'est quelque chose de fun parce qu'on a gagné, pas parce qu'on a perdu, tu vois. Un truc, ça aurait été un peu plus con, quoi.
Bon, après, on va peut-être pas non plus rester encore, ça fait déjà 2 heures. Juste peut-être, je voulais justement, on en a un peu parlé de la salle, etc. Est-ce que le problème pour vous, c'est de faire un event, un major comme ça dans un stade, ou c'est de le faire à Cluj, qui n'est même pas la capitale de la Roumanie? De faire à Cluj. Et un event un peu, enfin, c'est super chiant pour y aller, en gros. C'est pas facile d'accès. Je pense que c'est le problème principal, quoi. C'est que Cluj, c'est, au final, c'est une cité, une ville, peu desservi. Enfin, même nous, on a galéré pour y aller, quoi. Même toutes les équipes ont galéré pour y aller. Mmh. Et ouais, au final, il y avait pas le public attendu, quoi, malheureusement. Enfin, c'était payant l'entrée ou pas? Ouais, je suppose, non. Aucune idée. Oui, c'était payant, oui, oui. Non, parce que style Katowice, mais c'était 90 euros le VIP. Katowice, c'est gratuit. Katowice, donc je pense que la Roumanie, niveau thune, je sais pas si les Roumains, ils ont vraiment mis à mettre la moitié de leur salaire. Ouais, mais c'est ESL, et d'un côté, t'as ESL, de l'autre côté, t'as Rima. Ouais, ouais, ah, mais enfin, ça expliquerait pourquoi, par exemple, en Pologne, Katowice, voilà, c'est pareil, c'est une ville industrielle, c'est quoi, la quatrième ville du pays. Et toi, c'est un pays plus ou moins pauvre aussi, et pourtant, c'est plein, quoi, tu vois. Après, ouais, mais Cologne, c'est gratuit, quoi. Ouais. C'était près de plus de 200 euros, je crois, 190 euros le VIP. Ouais. Et là, c'était 90 euros, hein, à Cluj. Il n'y a pas eu un fait d'hiver en même temps, en Roumanie. Ah oui, il y a eu un truc à Il y a eu un incendie, me semble. C'était le troisième jour, donc je pense pas que ça ait vraiment... Mais par contre, non, en soi, c'est surtout d'une, bon, c'est Cluj. C'est en Roumanie, donc je pense que, comme tu dis, c'est 90 euros, même la place, ça reste quand même cher. Pour le pays, du moins. Ouais. Et c'est ultra mal desservi, quoi. Enfin, je pense que Scrat peut en témoigner, il va un petit peu raconter son parcours aussi. Nous, c'est la merde. On est parti très tôt, mais au final, on est arrivé tôt aussi, on n'a pas eu beaucoup d'escale. Enfin, pas beaucoup de temps d'attente, mais enfin, c'est juste ça, quoi. Enfin, c'est mal desservi. Autant Cologne, c'est super bien desservi là, on l'a vu, le Major était, enfin, pour moi, était génial. Katowice, en ayant regardé les billets, etc., c'est beaucoup mieux desservi aussi que Cluj. Au final, on a juste pas compris pourquoi Cluj, quoi. La limite, Bucarest. Puis c'est loin pour le bus à car. Petit truc aussi. En plus. Mais la Pologne aussi, et statistiquement, on l'avait comparé avec d'autres joueurs, mais la Pologne est le pays qui suit le plus les joueurs CS. Ouais, ouais. Même avec la Suède? Même devant la Suède, genre sur les fanpages et tout, pour voir les statistiques, et la Pologne est devant tout le monde. La Pologne a une fanbase de Counter-Strike qui est énorme. Bah, qui est on voit sur le stream des majors là, c'est le stream polonais qui dépasse les 100k, c'est insane. Quand clairement, c'est la communauté polonaise sur CS en tout cas est incroyable. C'est vrai que à Cologne, de toute façon, il y avait le bus vacarme pour vous les Français, et il y avait sinon les supporters Virtus Pro qui étaient aussi on fire. Ouais, carrément. Ouais, ils étaient juste à côté de vous en plus. Je sais plus pour quel match, non? Ou en face, peut-être. Ils ont piqué la place, apparemment. Ouais. Mais, mais par contre, petite parenthèse, je me permets. Dès que vous pouvez refaire le plus vodka, faites-le, quoi. Enfin, c'était vraiment... Enfin, même nous, on a... Enfin, je parle au nom de toute l'équipe. Enfin, c'était ultra bien d'avoir des supporters comme ça, enfin, français avec nous, qui nous suivent, qui nous supportent. Enfin, même après la défaite, etc. Enfin... c'est important pour nous, puisque je pense que c'est assez compliqué pour certains de s'organiser tout seul des fois aussi, puis d'y aller tout seul, enfin d'aller tout seul à un event ou à deux, des fois tu prends peut-être pas les devants pour le faire, donc d'y aller dans un gros groupe comme ça, en plus de français, enfin je trouve ça intéressant, et je salue encore une fois l'initiative de Vacarme, quoi. Ok. Yes. Ben merci, et on fera un avion Vacarme si c'est aux États-Unis, des choses comme ça. Un bateau vacarme. Et pourquoi pas? Non, mais ouais, pour appuyer ce que Jordan a dit, pas le SL1 m'a plus marqué, enfin, pardon, le SL1, pas m'a plus marqué parce qu'on a fait entre gros guillemets qu'une finale. C'était un event en tant que joueur qui, moi, m'a marqué. Enfin, c'est le meilleur event que j'ai fait depuis que j'ai commencé CS, quoi. Donc, T'as cet aperçu en ayant en plus perdu en finale, donc c'est pour dire le... En plus, ouais, donc parfait, le bus vacarme, parfait, tout le monde était sympa, on allait les voir et tout, c'est cool. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir des retours de vous deux sur ça, et je pense que, bon, à l'époque j'étais pas dans vacarme, mais je pense que toutes les personnes qui sont investies au niveau du site ou l'organisation, c'est vraiment un truc fou, et...
on peut les remercier parce que bah, c'était vraiment sympa. Et big up à eux. Big up à Sekio, Lil Ben. Big up Sekio, ouais. Bah, sur ce, moi je propose de terminer. Yes. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire, hein, je sais pas. Bah, bravo à DLC Blue qui a remporté le SWC. Ouais. Contre DLC White en finale. Et. Bravo à Envy aussi. De passage. Bravo à Envy aussi. Encore bravo aussi. Plutôt. Encore plutôt. Ouais, encore, ouais, c'est ça. Ouais, merci. Envy aussi de cette équipe. En tout cas, merci beaucoup, Nex et NBK, d'avoir. Nous avoir donné un peu de votre temps libre pour pouvoir faire cette interview et cette émission. Mais de rien, et je voudrais juste dire aussi à ceux qui sont, enfin, à qui on n'a pas répondu ou quoi que ce soit, ou enfin, c'est un peu compliqué. De temps en temps, on reçoit des tweets ou des trucs un petit peu, enfin, là, par exemple, je regardais sur la conversion le côté sur Mumble, là, enfin, on peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. Et enfin, juste ne croyez pas qu'on vous snob ou quoi que ce soit, quoi. Il y a des moments où c'est un peu aussi compliqué de tout gérer en même temps, quoi. Mais on va vous donner l'adresse de la Envy Lab, vous pourrez aller sonner ce soir ou demain pour voir Next. Astro vous accueillera les bras ouverts, moi je n'y suis pas ce soir. Voilà. C'est bien fait de le préciser en tout cas, Next, par rapport à toi. Ouais. Bon, sur ce, on va couper le stream, donc bah, ciao tout le monde et bonne soirée. Merci à tous. Ciao. Au revoir, bonne soirée. Ciao. We'll be right back.